En gros, état-major de l'armée d'Haïti, dans le commandement de la police, il y a un seul slogan, c'est rétablir l'autorité de l'État. C'est rétablir la sécurité dans le pays. Et est-ce que jusqu'à présent, il a dit que comment moun Ponsonde, comment moun Si Rivière, comment moun la localité Pachoual, comment moun la Kafoupey, comment moun la divers côtés, dans la Tibonite, dans Arkaye, yoye, puisque nous connaissons, ensemble de zones sa yo, yo sous menace, yo sous gros pression bandi armé. Après que bandi bas grand rive te fait gros massacre ça, jeudi qui était 3 octobre là, jusqu'à présent, moun ka viv dans différentes localités dans Ponsonde, yo abdomi, yon j'ai fermé, yon j'ai l'ouvri, parce que yon pa konnen ki jou ki lè ke bandi, bas grand grif ap envahi zon nan. C'est vrai que la police est déployée depuis nan vendredi qui était 4 octobre 2024, lan certes, mais jusqu'à présent, attend moun yo poko comblé parce que yo pa katan pou que la police vraiment maré, sa maré, ou di mwen que sa kap tombe nan échange koubal avec la police. Nan bas koukoua de Sangas, nan bas grand griffe, après gros massacre sa monsieur ou fait, sou moun nan Ponsonde. Et je dis en tout, gen pile l'autre zone qui en de pays et qui sou menace bandi, soit bandi nan Gressier, soit bandi nan Badelma, soit que bandi nan village de Dieu, nan Etibois, Grand Ravine. C'est que je dis en pile projecte à mettre sous ensemble de zones, parce que bandi ou vle attaquer, bandi ou vle et finir avec pays. Et j'en dédie le désir, m'a demandé avec confrère consomme yo dans médias traditionnels, dans médias en ligne yo, pour que yo capable faire toute attention parce que barbecue by Lord avec tout bandi nan vivre ensemble pour que yo capable kidnapper soit touyer et journaliste qui capé en face et mes groupes vivre ensemble barbecue by Lord. Il clairement dit que depuis son journaliste qui campait en face vivre ensemble, il compte vivre ensemble. Eh ben, il passe l'autre formel avec tout bandit en de vivre ensemble, pour qu'il soit capable de prendre journaliste et s'il dérefusait rentrer dans la base, attendez bien mes amis, si journaliste dérefusait rentrer dans la base, eh ben, bandit qui prend journaliste, bah, journaliste ça qu'il méritait. Il dit, créole parler, créole comprendre. Qui donc, je dis, son pays que c'est bandit qui a fait et défait la donne. C'est bandit qui a imposé la loi. C'est bandit qui a décidé. Bon, dans ces temps, autant de que nouveau président KPTA, Lesti Voltaire, les organiser une réunion stratégique avec PMAI qui c'est Carlos Hercule, avec recommandant la police et puis re-état-major l'armée sous question sécurité en notre pays. Est-ce que nous loin pour une sécurité? Est-ce que sécurité est prêt? Puisque nous connaissons que le gouvernement qui l'a, pouvoir qui l'a, il dit qu'il faut organiser l'élection. Organiser l'élection dans quel contexte, dans quel moment et dans quel côté, dans quel espace, dans quelle situation? Que vous pourrez organiser l'élection d'un PA des Ivenis. La situation, donc, aujourd'hui, ensemble, discussion, dans les divers acteurs politiques, économiques, dans la société civile, des jours, il y a une grande situation, une quatre fois plus difficile. Et bien, il y a une confrontation entre KPTA et Climati qui a du fait que certains citoyens qui fixent des positions, qui disent ça pas utile, la République en une confrontation, ça n'a pas résolu le problème d'insécurité qui vient plus grave. On est dans le pays, depuis plus de 7 mois après PM Ariel Henry, fin de quitter le pays, il y a des questions de confrontation, ça qui pas passé. J'ai de l'eau qui a coulé dans le monde, pour son dans le département de la Tibonite qui victime des massacres bandits bas gang griffio des jours cap grand plus terrain cap grand plus confiance pour kounia malgré déploiement la police depuis 4 octobre 2024 dans niveau département de la Tibonite avec diverses unités spécialisées diverses unités de combat avec MSS100 officier kenyan yo et bien bandits bas gang griffio c'est eux-mêmes cap vin agacer la police depuis plusieurs jours dans niveau Kafoupey dans tirer coup de balle sous blindé pour la police parce que la police pour que j'aime décider mener opération grande envergure dans ensemble espace ça yo la situation des amis internautes objet kidnapping dans niveau département de Tibonite malgré déploiement et bien on nous dit que kidnapping yo et y a augmenté presque chaque jour gagne des professeurs des responsables éducation dans ville Saint-Marc qui rivé kidnapper et bien parmi eux c'est Paul Alex qui rivé kidnapper avec Montas Sius qui kidnapper en plus mon président que ça gagne l'autre monde qui kidnapper à travers yon camionnette transport public qui bandi bas gang griffe kidnappé même zan kokorat sans race kidnappé des pasteurs qui t'a sorti de dine pour te rentrer dans ville Gonaïve malgré présence la police qui t'attendait mardi 8 octobre qui se passait à la police s'est tenté mener opération mais pour population fait quoi c'est ta opération bat paille parce que pas rien gros résultat à moins que yo machine qui ont dit détruit avec barrière rentrer kay bandi qui détruit yo dit te gen divers bandi qui sont blessés c'est que nous même nous pas qu'à vérifier
et situation la vie plus difficile pour population la situation parce que bah, la vie très 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 difficile et même menaçant pour population qui vit dans le niveau département de la Tibonite et à Kayen eh bien bandit canarin Jeff Gaulois à travers un voice qu'il gagne il fait quoi c'est un monde qui t'a metté barricade c'est monde ça qu'il t'a cherché pendant gagne deux monde dans population civile qui blessé gagne des policiers municipaux et qui blessé tout et de l'autre monde dans population civile disons c'est mouri qui est mouri dans quatre attaques là et la police fait quoi qui est au plein contrôle situation mais la police parler il permet que citoyens pratiquement poser question est-ce que vraiment ça la police dit ya, c'est lui même qui vérité parce que dans quatre département la Tibonite en pile monde vraiment douté les personnes face avec ça que porte-parole la police en dit que la police quasiment sous contrôle la police mais malheureusement vous avez des cas de kidnapping qui a fait dans axe routier c'est pas même en dedans et dans dedans autant que dans la Tibonite ou information qui dit que bandi ont continué à faire scène de pillage sous bien population en dedans la caillou ça veut dire que la police faut vraiment prendre contrôle situation au niveau département la Tibonite mais ça pas empêché de quelques graines qui important pour gagner que la police prend les hauts grands des nègres soit comme chauffeur si n'a regardé Edson Arisma chauffeur deuxième chef gang Coco Atsarasa c'est de bon graines qui a permet que la police y fait quelque chose et information ta fait ouais que la police a arrêté un autre membre gang Coco Atsarasa pendant une journée dans zone passerelle et sous Gonaïve que monsieur Coco Atsarasa d'abord installé monsieur comme chef gang dans zone si là blessé personne ça veut dire la police dans niveau département la Tibonite est contenté n'a pas grain sous côté au lieu que faire pénétration ou prendre des vrais gangs qui gagne zame dans méo qui a terrorisé population presque chaque jour qu'apprend que doute yo pas suspendre blai dans mitan population civile qui dans niveau département la sécurité surtout dans Valia et faut que nous dit des moun yo qui dans Valia qui annoncé yon mouvement mobilisation et pour lundi qui a venu là pour exiger la police amener opération dans fief gang yo pour chercher résoudre problème insécurité qui gagne dans niveau département la sécurité parce que moun yo fait quoi que pas capable encore divers déplacer et qui quitte pour sonder à cause massacre à l'envie de Saint-Marc et dans l'école Antoinette de Salines, il y a pris des situations difficiles pour se mettre l'école là, demander pour quitter l'espace. Cependant, songez que le premier ministre Dr. Gary Conny se déplace dans le département de la Tibonite dans l'idée pour lui dire qu'elle devine assister, il devine garder les gens qui sont courus et les gens qui sont victimes. Et bien, je dis à mon tour, dans une situation difficile, il y a demandé côté gouvernement. Dans ce qui est pour avec question subvention pour réouverture des classes de la situation, ça pratiquement porté un paquet de doutes. On sait que le monde, ou jusqu'à présent, qui est dans l'école nationale, il y a monde qui est dans le camp réfugié, ou jusqu'à présent, il y a beaucoup de dire rien, il y a beaucoup de jeunes, 20, 50 000 gouttes qui ont été dit, il y a tap bayo pour être préparé à rentrer l'école là. Et l'école là, elle rentre déjà avec cette personne. On a compris dans quelle situation, et dans la capitale pays, dans le département de la Tibonite, il y a divers établissements scolaires qui passent sous contrôle directeur, qui passent sous contrôle personnel là. C'est dans mes gangs que l'espace aéré qui fait battre là-dedans, on a privé comprendre dans quel niveau, quelle situation paraît extrêmement difficile en dans tout pays à ce tout point. Mais si on a gardé question corruption, elle vient légale dans le pays. Les trois corrupteurs dans le Conseil présidentiel de transition, qui a annoncé, qui voté, un président à travers une résolution qui reprend, en bataille, eh bien, ils disent que corruption est illégale dans le pays. Et il est clair que trois messieurs d'accord, que vous faites corruption, parce que c'était eux-mêmes qui t'a et soit enquêté ILCCO, vous détendez, et Kounia enquêté ILCCO, et rendre verdict, ils n'ont pas d'accord avec verdict et enquêté ILCCO. La vie, c'est des nègres qui viennent, qui arrangent, ils ont siégé comme juge et parti, ils n'ont pas d'accord, pièce rapport, ils n'ont pas d'accord, pièce décision qui auront à l'encontre d'eux. Est-ce que ça n'a pas entravé toute décision qu'a pris en dedans pays et compatriotes qui ont couru, ils ont déporté, pas bonne, pas paquet pour sortir en République Dominicaine? C'est une menace extraordinaire qui sa autorité haïtienne a dit sous question, jusqu'à présent, pour une pièce décision drastique qui prend, mais si vous regardez Mexique, Mexique a agi contre les Dominicains qui a rentré illégal dans le pays Mexique de la situation. Et dans même dossier, ça, je dis, à des dossiers de déportation haïtienne dans le pays Saint-Domingue, eh bien, il y a un conseil présidentiel à travers le président conseil actuel qui c'est M. Leslie Voltaire. Eh bien, M. Clairement l'a parlé et a condamné et face au comportement de Luis Abinadel, dans chaque l'a déporté combat contre haïtien yo. Et selon ça qui dit bon côté Leslie Voltaire, les faits qu'on est que son violation de droit à monde que Luis Abinadel a fait dans chaque l'a déporté haïtien yo. Et nous on est clairement que t'es déjà le gouvernement colonial qui t'est condamné à action ça à travers le ministre des Affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuis et bien situation ça yo encore les plumes sous de divers compatriotes haïtiens et qui en Haïti mais qui à l'étranger et de autorités haïtiennes qui ont même contenant façon que l'état dominicain a déporté haïtien papi la papaquette et ces domaines est dans de mauvaises conditions et dans ça ça désire et bien en pile haïtien t'es planté piquette sur jeudi vendredi 11 octobre devant consul dominicain dans
Pétionville et pour avoir un message clair par le président dominicain Luis Abinadel. Écoutez que Haïtien ça a annoncé pour date cap 17 octobre cap venir là, gros mouvement levé campé en dans pays pour yo capable exactement et al di avec Luis Abinadel campé avec déportation raciste que l'a fait et contre haïtien et pour le penser exactement comprendre que nous c'est deux peuples frères qui sont ziléens nous capables vivre ensemble et puis qu'elle penser que c'est président ziléen puis qu'elle penser que le capable faire salver avec ziléen qui est Haïti avec ses domaines sur lien en tout cas désir ben c'est que nous pour regarder ensemble du point saio pas oublier bataille entre KPT avec gouvernement Konilan et et qui côté ça mené et dans intérêt qui est ça privé puisque je dis en pile acteur en pile parti politique en pile regroupement pas bien ouais qui sont capité ensemble avec et gouvernement parce que je dis que ni capité ni gouvernement yo une pas travail dans intérêt haïtien tendez bien ni capité et ni gouvernement c'est en pile monde dit que pas travail dans intérêt haïtien. Et pendant même journée que samedi 12 octobre 2024 dans des Ivenes, nous apprenons que tu as gagné un pile coup de balle automatique qui t'a chanté dans zone Vivi Michel, dans la commune Pétionville et zone Belleville, Torcel. Ça veut dire que bandit basse crasse barrière que vite l'homme innocent dirigé, nèg yo t'a créé gros voix panique dans zone et Torcel. Hein? L'équipement de Michel là. Bon, oui, exactement. Quand même, je t'ai dit, Gapé l'a quitté et mettez-le dans la baisse à ta faire là. Et pas oublier tout. Exactement, tout baisse à clé. Et pas nous t'es dit. Et pas nous qui inventer, nous connaissons ça déjà. Et en plus, tu désires. Bon, regarde déjà, éviter un problème dans la zone là. Bon, pour que ça ne va pas profiter à loin. Tout pour l'ambassade américaine. Oui, parce que l'auditeur, c'est. L'auditeur, c'est le PNI, Vivi Michel. Et tout l'ambassade américaine, tabar, oui. L'ambon c'est que, et vite l'homme, puisque autour américaine yo, yo te dit, je mette 2 millions de dollars de elle, mais yo passe le monsieur dans le cachet, monsieur fait attendre, fait cette skill là. Mais kounya, police haïtien pas besoin de 2 millions de dollars, parce que tout prêt académie police, nous kwe gen de corps spécialisé qui tout prêt académie, est-ce que pas besoin de l'agent ça, au moins yo t'avoué, on file, yo t'avoué un coup de nas, pour invite l'homme pour faire l'agent. Kote ça, bon, bah qu'on est si yo capable, mais ça m'a dit les... Bon, exactement. Parce que c'est pas direction générale qui a bailé l'ordre. C'est pas CSPN qui a bailé l'ordre. C'est pas DCP qui a bailé l'ordre. Non. C'est ambassadeur qui a bailé l'ordre. Ambassadeur qui a bailé l'ordre. Mais pendant qu'il y a beaucoup de bailé l'ordre, non, ça, ça a vite tout le monde en ville là. Bon. Pendant qu'il y a beaucoup de bailé l'ordre, parce que crasé, il a créé problème là tout. Blaise. Yeah. Vite l'homme a tout le monde qui semble avec elle. Tête graine et tinec nous même avec elle. Mais quand t'as mis là, tu n'es qui charge l'argent, tu n'es qui riche dans le pays, tu n'es pas passé dans le fléau d'insécurité programmée qui est là. Insécurité à l'éprogrammer, Blaise. Mm-hmm. Nous croyons que nous devons comprendre. On essaie de regarder ce qui a passé dans la Tibonite là, et puis on a tout compris que l'insécurité qui est dans le pays est pratiquement programmée. Extrêmement programmée ce qui a passé. Nous devons assumer la responsabilité. Et ça fait que nous devons demander avec les citoyens. C'est celle citoyen qui a changé de l'année. Si après tant que c'est l'État qui nous fait bagarre. Une garantie de la situation, on pile en noir. Si nous continuons à mettre espoir sur la police, si nous continuons à mettre espoir sur la rien, moi t'attendais Jimmy Chérissier, alias Barbecue, qui passait 14 années dans la police. Monsieur a dit chaque 10 policiers, il y a 8 qui dans gang. Est-ce que je peux démentir, monsieur, sur ça? Je ne sais pas quoi que je peux démentir. Il était dans la police, il y a une gang. C'est qu'on est à quantité de policiers qui ont une relation. Si on ne doit pas bail, il n'y a pas de et divers policiers, dans tout dernier moment, qui entendaient, ils ont arrêté. Soit qu'ils ont acheté munitions, vous m'en dites. Ou bien, les personnes qui ont touillé dans l'opération. Ou peut-être aussi envahi l'hôtel là. Policiers qui ont été arrêtés, je ne connais qui est-ce. Peut-être c'est ils ont été bombardés. Ou par contre, qui est ce policier, ça veut dire que ce sont des institutions qui fragilisent. C'est une révolte. Une révolte à la citoyenneté qui permet que nous sortions là. Après ça, les personnes, le problème, nous là pour longtemps. Nous avons combien de temps pour nous sortir là-dedans? Et l'éclair désir. Problème nous là pour longtemps, n'a pas goûté pour nous sortir la donne. Et comment qu'on va sortir la donne? Et qui j'en qu'on doit sortir la donne? C'est des questions que désir ni moi-même ni moi-même a posé. Même bon, c'est que des bégués volontaires, là, capable de résoudre parce que je dis, hein, volonté a permis qu'il ne faut pas qu'il y ait un pays. Hein. Mais je dis, on a dit clairement désir. Et jusqu'à présent, je n'ai pas regardé la réalité, hein, je n'ai pas regardé la situation, hein,
est-ce que autorité qui la yo, moun ki la yo, yo vle vraiment résoudre problème ça, ou di moi est-ce que qui côté au campé et qui ça vle faire exactement avec ensemble problème que peuple connaît là. Moi même m'a dit que jusqu'à présent, moi monsieur c'est goumé goumé pour pouvoir, nèg yo goumé pour poste, nèg yo goumé pour l'argent, alors que autant de que gè 5 millions de gouttes qui débloqué chaque mois pour que ce service intelligence et le regarder que pour qui ça que ben l'agent s'entendait hein. Chaque 5 millions de gouttes, non? Chaque 5 millions, chaque chaque conseiller, il y a chaque conseiller et puis premier ministre. Oui? Exactement, chaque conseiller gagne 5 millions de gouttes, mettez avec PM Gaïkouni, mettez avec elle dit 10 fois 5 millions, yeah. 10 fois 5 millions. Alors ce que tu entendais que gagne cette question et bandi a tué Jean Vlé, bandi a posé action Jean Vlé, on a demandé et tout, est-ce que à qui ça l'agent a servi? Bien que gagne ensemble contre et ensemble contre corruption ECC qui c'est une entité qui gagne dans les diverses personnalités tant que Edouard Poltre li mandé avec ULCC pour qu'elle capable mener enquête sous question et 5 millions de gouttes que il y a bay chaque conseiller et mais pour question service intelligence nan li mandé pour mener enquête sous l'agence ça pour qu'on ait qui ça l'agence a servi et qui ça là, je sais régler, parce que ce n'est pas normal, ce n'est inacceptable pour que chaque conseiller et chaque mounsayo a recevoir quantité l'argent ça, et on l'argent qui est pas exactement ça qu'a réglé avec lui. On l'argent yo pas ouais qui ça qu'a réglé avec lui. Que donc je dis, les pour nous garder et nous comprendre que, et son l'argent, comme si vous avez un trou, son l'argent, il a gaspillé, pendant ces temps, situation insécurité à lui-même, l'a augmenté jusqu'à présent. Matisse en bloqué, Canaran bloqué, Abamon Kabil bloqué, il y a un ensemble de zones, moun pas capable de circuler des Ivenes. Et ils ont débarqué avec toute équipe bandit pareil, UVD, j'allais les bagaliens, et ils ont débarqué dans Tibois, et ils ont activité sans problème. Nèg yo pa pè, nèg yo pa krin. La mosan jou débarqué, la lan fèt et apran micro. Barbecue a fait TikTok chaque soir. Si la fait TikTok chaque soir. Boulba fait TikTok chaque soir. Monsieur mon frère. Qui est-ce à parler? Pas TikTok et barbecue li pa là encore. Ah et oui, ça passe. TikTok bloqué. TikTok bloqué. Et oui? Yo banni? Ah bon, non même dépasser à ça. Dépasser à ça. Et tout l'autre bandit qui a fait bah TikTok, tu as fait même bagarre là. A me dépenser à ça. Et oui, il bloque pas monsieur. Oui, il bloque pas ça, pas existe encore, il bloque. Mais parce qu'il gagne fait l'autre, mais parce qu'il gagne plus le monde qui te connaît absolument, il parle encore. Mais blesse pas qu'on est sur image ça. Qui m'a fait? Un petit monde 14 là. Oh yeah. Moi d'avance. Qui na base la mensonge me gosse madame. Mais qui sa communauté internationale là dit dans question ça. Comment ça va passer dans pays d'Haïti? Là, ça t'a passé à grave, oui. En pile, en pile. Ça, c'est un échantillon. Par contre, combien? Qui quantité de timoun qui pratiquement plongé dans pratique ça? Et jusqu'à présent, gain qui a perdu toujours. Blaise, dans la vaste déportation qu'a faite là, vous sortiez en République Dominicaine pour venir en Haïti. Nous prenons une situation beaucoup plus difficile. Gang yo pral augmenter l'effectif. Parce que vous prenez des jeunes garçons qui prennent la pape, gain rien pour vous faire. Et vous parlez qui ça que l'État a arrangé pour le faire. Pour le préparer pour ça qu'à venir. Parce que nous parlons de l'état de prévention. Nous avons l'état qui a quitté la situation empirée pour y aller, puis nous devons, si vous te connaissez. C'est ça que nous-mêmes, comme leaders d'opinion, nous-mêmes, comme avant-gardistes, nous voulons essayer de regarder les questions. Pour nous dire l'état qui a quitté venir. Mais ça qui a fait un danger, quel côté sur la République. Et jeune Timoun, 14 ans, ça, où elle sent-il fière. Dans le département de la Tibonite, qui a arrêté jeune garçon qui relève et son. Harisma, qui est 18 là, mais seulement. Ça veut dire son phénomène, jeune garçon, jeune femme, en pile voix, que nous dit, jeune, c'est l'espoir pays, ya, parce que nous-mêmes, nous pouvons aller, nous avons besoin de ça, petit, qui pour venir remplacer. Pas d'espoir, quoi, Blaise. Majorité, ça n'a pas considéré comme l'espoir, lui a plongé dans des agréments. C'est des gens qui tout détruit tête, à toute famille. Et vous parlez, on est fait, ni bon côté l'État haïtien. Ni bon côté communauté internationale là qui dit yo gen droit à l'enfance, yo gen droit pour protéger ti moun. Yo pas dit rien dans question ça. Ou pas que ça y a fait hein, pour remédier avec situation Blaise. Et désir jeune de dit qu'on aimerait venir avec quelques réactions
bien que qu'il y avec ça qui a passé dans le pays, question KPT, question conseil, question Saint-Domingue et l'autre situation insécurité. On va venir avec ça là pour me permettre de nous capable d'entendre exactement et ça qui dit à côté ensemble de autorité, soit que soit El Jacin, soit que Valère Beauplan et soit que de l'autre monde encore qui parle par rapport avec situation que pays a connait là, c'est ensemble désir. Nous va venir avec ça pour me permettre que nous capable comprendre très bien et garder très bien ça qui a passé dans le pays. Parce que bagala vraiment vraiment compliqué des Ivenes. Et nous allons regarder ça ensemble pour nous voir. Est-ce que la situation paye à lui-même? Est-ce que la prêté là? Ou dis-moi, est-ce que qui ça a fait pour aider à résoudre le problème ça? Parce que le problème est en pile. Vraiment, il y a en pile désir. Et selon ça qui dit bon côté, et bon côté, capable de dire là, désir, bon côté Sinapoa, qui c'est un syndicat en dans la police, non? Le fait qu'on est que sorti mois novembre, sorti janvier 2024 pour arriver et octobre n'a pas l'air là. Le fait qu'on est que des Ivenes gagnent exactement et 26 policiers qui déjà perdit la vie. Sorti janvier pour arriver mois octobre, ça n'a pas l'air jusqu'à présent pour quand même finir. Le fait qu'on est que y a 26 policiers qui mouri dans exercice fonction yo en babal bandi armé. Ça veut dire que la police dans jodi an li c'est véritable cible bandi armé yo. Fann kon sa yi? La police dans jodi a désir li c'est véritable cible bandi armé yo. Alors que autorité yo a clé on est même à travers pour la police tan, monsieur clé on est que son la police cap travail, cap ben résultat et exactement, vous comprenez? Ça là des Ivenes, les monter à quelque autorité yo n'a pire au niveau dans l'état et même en da, même propre tête pa yo, yo pas capable sécurité. Même propre tête pa yo oui, yo pas capable sécurité qui dira pour la société civile des Ivenes. On vient avec et un sénateur Soel Jacinthe, les mêmes qui c'est un membre à quoi 21 décembre, monsieur Kigon Jalwe et KPT1, Gon Jalwe trois conseillers qui impliqués dans scandale corruption et Gon Jatou li ouais réalité pays a passé journée jeudi surtout dans question insécurité. Et par là nous avons plaisir pour nous parler pendant jeudi ça passé en dans CPTA. Je pense que c'est son contrariété lié même au processus à Côte-d'Ivoire. Je pense que là, nous tous, nous avons posé nos questions. Est-ce que ULCC doit exister toujours? Est-ce que c'est pas l'État, et à la tête de l'État, où gagne M. Edgar, qui a gagné M. Edgar là, comme première personnalité, et maintenant, il y a Voltaire. Nous songeons exactement la représentation Edgar dans le CARICOM, ça le dit. Il dit que les comptes qui passent, ils comprennent le problème, non, mais l'abtan est accord là. L'abtan rapport là. Et automatiquement, il est épinglé, donc il prend les décisions qu'il faut. Maintenant, Voltaire, maintenant qui remplaçait Edgar, la Gazette, il n'y a pas deux semaines, l'a dit en clair, depuis Gagnon, il y a un CPO qui est épinglé, ou bien les trois épinglés, à partir de rapport 1, donc M. Sahu, il a mis à l'écart. Donc, ça qui a passé là, je vous dis, on a posé peut-être nos questions, est-ce que son combine, est-ce que son deal, est-ce que son compromission, ou est-ce que maintenant, consensus 11 septembre, 11 mars là, c'est propriété privée ces trois conseillers. Donc ces questions ça nous-mêmes en 21 décembre n'a posé tête non parce que déjà nous dit clairement que docteur Gilles quittait que nous dévoyer, nous pas de aucune communication avec depuis le privé. Et nous déclarer clairement à l'unanimité, nous tous ensemble, au consensus qui joigne, que monsieur pas représenté d'accord, donc le rivelup pour nous remplacer. Donc c'est le processus ça, il y a le processus de remplacement. Mais nous vraiment étonnés de ça qui passé la résolution qui soutient. Maintenant, sénateur, là, ce ne sont pas que les... Là, nous ne pas parler de toi seulement, là, et CPTA, j'aime moi, il affiche
une unité complète là et après résolution ça sous comment présidence tournante là orchestrée. Bon, je crois que le système américain a une question de collaboration. Une question de collaboration, automatiquement collaborer. Donc, si vous avez bon 10 ans, vous avez 5 ans ou 8 ans. Est-ce que c'est le système ça? Donc, monsieur, vous êtes d'accord que qui c'est responsable, dit monsieur, bon, écoutez, nous acceptons que nous entendons. Mais mettez-nous là, donc pas fait gros nègre, donc quittez-nous régler ça, nous obligé de régler. Est-ce que c'est le système ça? Oui, moi-même, c'est une question que ça va poser, parce que là, c'est 4 ou bien c'est 8, ils prennent l'État en propriété privée, yo, donc ils permettent, ils font quel que soit deal que vous voulez, et ils disent, monsieur ça, ils font quoi douce, donc moi quitte là. Mais ça, pour tout d'accord, nous comprendre, c'est que ils reconnaissent ces droits. Ils reconnaissent que ils ont tort. Donc, ils n'ont pas capable de venir président, coordonnateur encore. Donc, ils après été là seulement pour ils joindre tout avantage en combinaison avec les trois autres. Donc là, je pense que son question pour nous toutes, la presse là, surtout, pour le poser. Ça qu'a passé là? Est-ce que nous l'a consensus 11 mars là toujours? Donc, moi, c'est ces questions ça pour nous poser. Donc, pour nous, ouais, qui côté n'a pas une réponse à. Mais ça qu'a passé là, nous dit, nous répète, son bagage que personne n'a pas accepté. Baron ainsi international la donne, baron ainsi, dit ça à peu pas ici, hein, l'y accepté. Mais ça qui a passé là, c'est pas l'esprit. Maintenant, ça dit pour cette transition, élection, nomination, et le directeur général, consul, etc. Ça dit pour reste là, pour le reste, pour la suite. Bon, pour la suite, nous croyons clairement que les Haïtiens, Moïse, ils n'ont pas qu'à représenter nous encore. Est-ce que c'est un deal qui fait pour éjecter, pour y faire question par étape. Donc, comme pas de gain majorité, pas de gain majorité, me servir avec eux pour y obtenir tout avantage là, automatiquement, y finir mettre, me va l'éjecter eux, donc me va le retirer eux. Donc, si c'est ça, faut y dire nous clair, pour nous-mêmes, en tant que secteur, pour nous réapproprier CPTA, pour nous faire correction qu'il faut, pour nous réchita. Parce que là, je pas croire que personne qui a accepté, ou quel que soit pays, a, malgré me senti qu'on consentement, qu'on deal qui fait avec international là, personne qui a pas accepté que M. Sayo ait une autorité pour y retirer directeur général, pour y retirer, pour y envoyer, pour y choisir consul, pour y choisir ambassadeur à représenter nous. Parce que deal ça, pas quoi que population après pour l'accepter, deal ça. Maintenant, mon vote en CPTA qui pas indexé na qui va épinglé par ULCC, gen moun ki di wak simple an seta, yo pou résolution entre yo acte difficulté que PR yo gen et mandé secteur yo pour désir le nouveau représentant. Et c'est un bagage qui paraît plus simple. Et mais gen moun ki di l'argent destiné à là, c'est comme si m'dado bon, ou ap kite présidence là, c'est moi qui prendre bon deal qui rive là et dit la fête au mépris de la loi, de l'éthique républicaine, et il mettait à mal suite transition. Quel monde dit que tu ça? Vous partagez ou vous pas partagez? Absolument, moi pas partagez. Moi-même, moi t'ai dit déjà long émission que j'ai fait avec l'autre radio. Première étape là, c'est d'accord que M. Sayo n'est pas réuni. Il n'est pas capable de faire partie CPTA. Donc, parce que Edgar et Voltaire, qui est actuel président, ils t'ai dit clairement. Donc, c'est son crime déjà, parce qu'au grand institution, qui est les ULCC, c'est où là pour faire respecter, donc ou pas respecter. Deuxième étape là, ils ont réuni entre eux, qui est cabalqué en attendant que ils ont remplacé, secteur ils ont remplacé, chita avec secteur pour nous commencer à faire, et puis là, au fin fait remplacement normalement, est-ce que remplacement a fait ou bien pas fait, les quatre tachita ensemble, pour déterminer qui ça n'a pas fait et qui ça n'a pas fait.
Mais ça fait là, donc personne, et nous-mêmes le 21 décembre, nous pas accepté, tout autant les trois qui reconnaissent que yo en tort, qui reconnaissent que crime ça yo là-dedans, corruption ça yo là-dedans, parce que le fait seulement yo dit yo pas capable président, son reconnaissance tacite. Son reconnaissance tacite. Donc en sens ça, moi crois que trois membres yo doit ressaisir pour faire appel à secteur pour ensemble nous connaître consensus que ça a noté fait entre nous avec tous les secteurs de la vie nationale pour s'il y a correction pour faire pour nous faire ça que n'a pas fait pour nous faire mais faut nous faire ensemble mais ça que là bah quoi que aucun secteur la presse en général bah quoi les partis politiques les neuf secteurs bah ouais comment ils a pas accepté ça bien que nous tous au courant que monsieur Sayo ou Finvoyo donc yo prend république là yo prend l'état comme affaire personnelle yo pas rien pour vous accepter encore. Maintenant, au moins, c'est toujours une théorie que l'on dit, son solidarité qui a laissé le monde comprendre que, il est obligé de solidaire parce que si toi, ça y aller, tu as qu'à gagner des raisons pour y aller tout, et comme renseignement, etc. Nous n'avons pas qu'à théorie. Il est plausible ou pas, selon vous? Donc, on voulait faire me comprendre que monsieur, alors, les trois, c'était juste des agents, qui tape faire un massage pour eux toutes, c'est ça, on l'a dit là. Donc, si vous. Non, Gédémon qui dit que. Ou bien trois allés, ils vont le dénoncer, donc ils sont obligés de solidarité. Gédémon qui dit lecture ça, par contre, si c'est vrai ou pas. Bon, l'essentiel, il paraît, même penser que Gédémon qui est encore lucide, penser Edgar, bien que décision pour le déprendre, il ne pas prendre, il aime tant de messages à la nation, là, c'est pas ça, il ne pas l'attendre. Cependant, nous-mêmes, haïtiens, nous-mêmes, le 21 décembre, nous ne pouvons pas accepter de dire ça, nous ne pouvons pas accepter et combiner ça. Ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas, franchement, nous ne pouvons pas accepter. Donc, nous-mêmes, le 21 décembre, nous étions toujours attachés à l'esprit du consensus du 11 mars. Cependant, on campait qui pour fait et puis les secteurs ensemble pour nous corriger ça que doit corriger. Dernière question, est-ce que ça a privé là, l'imposition passée en force et au mépris de où sont évoqués là, où dit faut que tu as fait un ULCC, si ça n'a pas avancé, j'ai pas avancé là. Est-ce que pour vous, il y a une hypothèque, une mise à mal, un risque que la transition a échoué par rapport à premier fait, nous commençons ouais, là, non publication de l'accord 3 avril là, et Jean-Roger et scandale et BNCA, parce que nous allons arriver dans la phase d'élection, l'argent, passion, etc. Il y a des préoccupations quant au déraillement de la transition. Vous partagez préoccupations ça ou pas? Il est temps. Pour nous faire camper et ensemble pour nous connaître ça nous doit faire parce que tout autant que pas de sécurité tout autant que et institution ça qui fait la présidence dit pas pour le dire écoutez pour le retourner l'accord 3 avril là la difficile pour y être là parce que y être là pour faire qui ça y te météo un sécurité deux passer mais la institution yo garder exactement qui ça nous devait faire et oui pardon une minute dépasser 9h imaginons que nous allons des CARICOM pour nous parler faire discussion politique parce que nous gain scandale corruption ça c'est comme ça nous gérer le mettre en crise politique dans le pays ou imaginons ça veut dire pour image pays là et pour politique nous sommes les propres acteurs de nos souffrances nous va voir les CARICOM. Mais quand même, c'est nous-mêmes qui nous songer et gagner chanter la rose te dit me pensais que c'est la chanter ça que nous y est. C'est la chanter ça que nous y est. Nous c'est Dieu donner la rose. Yo chanter pour une nation. Donc dans sens ça il t'expliquait clairement ça nous y est. Donc nous c'est propre à cœur souffrance nous qui mettait pays ça en état que l'y a. Malgré que dans très loin, neuf secteurs, ou du moins la vie nationale, tout secteur de la vie nationale, là, accepté Chita et les SAN ont tout dit, c'est un accord historique
pour ensemble nous arriver là, pour nous voir comment nous capables de retirer le pays à côté de lui là. Donc, moi, dit, monsieur, ça, il faut camper. Moi, dit, international là, tout, quand même, hein, qu'on a certaines moralités pour nous camper. Faut camper. Faut camper, les secteurs, et ensemble, pour nous garder, est-ce que nous cas, corriger ça pour corriger, pour nous rester dans l'esprit, consensus ça, ou bien pour nous sortir avec notre bagage. Parce que je ne crois pas que aucun haïtien capable d'accepter, aucun secteur capable d'accepter, est inacceptable ça. Si mal ça persiste, est-ce que ça mène dans la confrontation politique et d'après vous ou pas? En 10 secondes. Non, en 10 secondes, donc, parce que faut nous ressaisir nous. Faut nous ressaisir nous. Je ne crois pas que la confrontation politique là, c'est ça lié. Désir, autant de soirées, j'ai assez de frères, je comprends ça parce que moi, j'avais essayé de sécurité tout à l'heure. Je ne sais pas si je dis qu'il est intéressant, mais disons bien. Bon, c'est parce que moi, sur l'IACET, j'avais essayé de regarder la situation indigne que le pays a trouvé et en pile d'acte, c'est ça qu'il a fait comme jouet biaisé. Ok? Il a toujours arrangé, quel que soit le jouet, il n'y a pas sincère là-dedans. C'est à partir de ça qu'il conduit nous là. Pour qu'on comprenne. 9 secteurs regroupés ensemble sur le plan politique. Il a dit que le pays a traversé une crise, il faut que le bail en route, mais il a dit qu'il a une capacité, il est capable. Il y a lui, à partir de aller, c'est rendre que le rendre bagarre beaucoup plus complexe, rendre beaucoup plus monde, tout vieux dans une situation difficile par rapport avec le comportement que a gagné. Et je veux dire, question de corruption, il vient montrer par un nègre qui dans le conseil présidentiel qui est honnête. Parce qu'on est tant que Leslie Voltaire, 50 ans depuis après politique. Tout rêve, c'est pour arriver président de la République. À partir du conseil là, le président, et je vous dis, c'est officiel. Depuis là, il s'est déplacé. Il est allé dans les Nations Unies, dans le 79e an. Nous avons eu l'impression, nous avons été préparé, ça va être préparé. Yeah, et nous avons tellement arrangé pour rendre dans la situation difficile, dans la confusion. Nous avons eu après tant ILCC. OK? Depuis ILCC remettre à Paul, et bien c'est tous les trois n'avons pas là. C'était nous qui te dit. C'était le Sivol Tech qui te dit. Jusqu'à présent, ouais, n'a pas qu'à respecter parole. Et accord politique que n'a pas mis de l'EOA, surtout accord 3 avril 2024, là, il a tout dit sur l'équipe coquin avec mesdames qui continue à pager en coquin et mesdames. Dans tout ça, qui position, Moïse Jean-Charles, ou pas attendre de parler de questions ça, parce que c'est des rançonnés, 5 millions qui apprennent chaque mois pour question service d'intelligence, n'a pas préparé, n'a pas fait malette l'argent pour venir dans l'élection, et puis que collègues qui ont fait quand même, parce qu'il y a arrangé, pour bailler en sécurité sous boudrage. Et puis, pour y aller dans l'élection, pour faire des chefs de gang, un sénateur, un député, un président de la République. Même, toujours la même position, ça. Après, chaque fois qu'il m'a avancé, sous ensemble comportement, sous ça, que l'idée des partis politiques qui ont fait comme conviction, sous comportement, trois conseillers, ça, et qui dans ce scandale, ou bien neuf membres, tapé TA, m'a dit, c'est le peuple là qui voulait. Parce que c'est un conseil qui était déjà pas populaire, qui était impopulaire, qui n'est pas constitutionnel. L'air dans l'espace, ça, c'est un moment fort qui a permis que la population soit tout révoquée et puis instaurer les gens estimés qui ont porté qui chose et qui ont porté changement dans le pays. Mais ce n'est pas ça que ouais, qui a fait. Vous sentez une résilience. Tant que Jean Edgar Le Bonfils te dit aujourd'hui les Nations Unies. Nous sommes peuples qui sont résistants et résilients en même temps. C'est à partir de ça que nous arrangeons. Nous qui sommes joué avec nous pendant nous-mêmes, il y a augmenté sa qualité, bien-être, la richesse que nous avons et construit et capital politique et capital économique et puis des affaires peuples qui sont plus bas. Et Kounia, on est venu avec Jean-André Victor Désir, monsieur qui est coordonnateur Mopod. Et Mopod, c'est un escriti en de la collectif à 30 janvier. Côté au clair, maman de avec Toroki et Edgar Leba pour le dire, c'est le conseil. Et il dit tout, que ce conseil ça, il n'y a pas vraiment quoi dans encore, parce que ouais, son conseil qui a marché vers la Sanélé, échec li, parce que non, ça qui dit bon côté, agronome Jean-André Victor, qui est un responsable collectif à 30 janvier. Non, pas d'accord. Collectif à 30 janvier, dès le départ, dans le dossier scandale corruption et qui impliquait trois conseillers présidentiels, nous avons déjà gagné une position de principe et que nous avons communiqué à population en sous ça. Maintenant, mais qu'on est, puisque il y a une évolution dans le dossier, il y a des secteurs qui tapent et des marches pour remplacer quelques conseillers présidentiels qui sont impliqués, mais avec modification et résolution prend sous présidence tournante là, qui vient faire que vous conservez ce trois conseillers présidentiels, il y a une évolution. Comment au niveau de collectif là, nous comprenons l'évolution qui est dans le dossier? Très bien.
Première note nous t'ai fait, justement, c'était une note de faire part pour bail position. Dernier note qui sorti là, qui fait rappel de ex-sénateur Leblanc, dans CPTA, c'est pas seulement une note, c'est également une action politique. Et c'est ça que différence là. Et action politique là, et les fait dans un double objectif. Un premier objectif, j'en saute dit là, étant donné que nous demandons pour mettre monsieur de côté à cause de questions d'instabilité et de scandale politique là, on dit monsieur, on a parlé de conseiller président qui est impliqué dans le scandale BNC. Et nous avons discuté avec Yopoussa, nous signons une note avec Montana pour ça. Mais Kounia nous fait action politique, ça, côté que nous fait rappel de représentants nous en dans CPTA. Pour quelle raison? Il y a des gens qui mal interprété ça, qui comprennent que son problème nous gagne avec sénateur Leblanc. C'est exactement le contraire. Parce que, d'une part, sénateur Leblanc, positionne sous question, il dit le pape participer. Donc, s'il dit le pape participer, de fait, il va participer, ça veut dire que, il n'y a pas gagné en pile solution, c'est ou bien on dans CPTA, ou bien on dehors de CPTA. Donc, là, ça positionne, vient très délicat. Nous-mêmes, comme entité qui voit dans CPTA comme représentant, nous comprenons la situation et nous créer un espace institutionnel de manière que l'aile pas participer à lui-même, les cas replier dans l'espace institutionnel là pour lui pas censer en rébellion contre CPT ou bien dehors. Donc, ça fait que c'est une action politique, c'est le premier objectif là. Deuxième objectif là, c'est le fait que Yab dit tout Kounia, c'est est-ce que monsieur collectif, c'est pas CPTA écrasé? Et là encore, c'est l'inverse. L'inverse pour qui raison? Parce que nous estimons que CPTA fait pratiquement un coup d'État. L'NDCPTA n'a pas parlé des administrations actuelles de conseiller Voltaire. Son coup d'État est offert. Et pour qui ça coup d'État? C'est parce que, d'une part, pas gagné passation de l'ancienne administration Leblanc avec administration ça. Deuxièmement, si vous analysez et documents, résolutions que vous publiez dans le moniteur. Monsieur Victor, tu as parlé de ce coup d'État. Bon, nous poser nos questions pour que nous puissions permettre de le situer et relancer avec l'approche d'affaires. Vous parlez de coup d'État et vous faites, ou citez Leslie Voltaire, fait à Edgar Leblanc fils, mais en principe, hier, à Gonome André Victor, mandat et monsieur Leblanc est fini. Oui, très bien. Mandat est fini. Et normalement, arrivé dans la fin de mandat, il faut une passation qui est faite. Maintenant, premier signe coup d'État, passation n'est pas faite. Ça veut dire que le sénateur Leblanc n'est pas même là, dans le processus-là. Donc, bon problème. Et si, comme dans le discours, nous entendons qu'il a parlé de ces dialogues qu'il a privilégié, ces discussions, ces conférences, à ce moment-là, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut avoir un dialogue ça dans CPTA pour éviter que qu'on transfère d'une administration à une autre qui fait sans que pas gain aucune passation. C'est un premier bagage. Un deuxième signe, sous analyse texte là de résolution paraît qui dans moniteur, on va prendre compte de plusieurs bagages intéressants. Un premier bagage, c'est le fait que c'est une résolution. Donc, résolution, il est publié dans le moniteur, mais elle n'est pas sortie du ciel. Elle n'est pas sortie du néant.
Ça veut dire que bon côté résolution à concocter, préparer, discuter et faut bon procès-verbal qui consacre existence résolution hein? Et c'est procès-verbal ça qui peut aller pour publication et c'est sous base ça pour publication à ta fête. Et là nous douter en pile que bon procès-verbal comme ça parce que sénateur Leblanc dit lui-même n'est pas connaît pas au courant de ça qui passait, ça avait dit le pat là. Troisième bagaille, une résolution, au monde pas besoin de faire droit, mais tout le monde connaît une résolution, son règlement que lié. Et ça, dans la hiérarchie des normes en sciences juridiques, règlement est inférieur avec décret, avec loi, avec constitution. Non, mais M. Deblanc, pour une résolution déjà, pour le changer présidence, pour le changer majorité, et pour le mettre présidence, et laisse ça, pas de procès verbal qui t'a allé, c'est pas procès verbal qui t'a publié. C'est même forme, ça, nous, là, qui t'a fait, agronome Voltaire, agronome et Victor. Très bien, j'ai deux V, mais c'est pas même. Oui, Victor, l'un est là. Oui, oui, c'est vrai, nous pas dit c'est procès verbal là pour publier, non? Nous dit que, à qu'à aller pour publication, faut émaner, faut sortir dans le procès verbal. Donc, c'est le cas. Ok. Ça veut dire que c'est une réunion qui était faite. On a dit nous retirer un peu dans le contexte là. Contexte côté que gagné trois et conseillers qui épinglés dans le dossier corruption. On a dit son majorité normale qui prend décision ça. 6-7. Dans cas ça, monsieur ne peut pas dire le choix. Non, là encore, c'est mal posé le problème. C'est pas une question de poser le bien pour nous. Poser le bien pour vous. Sans question de CPT comme institution. CPT a un nombre de membres là-dedans. Eh bien, nombre de membres réunis. Si vous avez une résolution pour prendre, c'est laisse la majorité à pas le prendre dans une réunion normale. Donc, si on est dans une réunion, ça là. Vous pouvez me parler, s'il vous plaît. Allez-y, désolé. OK. Si dans la réunion, ça, et actuel coordonnateur CPT en la personne de M. Leblanc, il n'est pas là, il y a un gros problème. Ou pas qu'à dire que son bail banal lié, c'est une question de majorité qui a décidé. Non. Majorité a décidé en réunion régulière. Maintenant, Agonon Victor, le fond de l'affaire, c'est d'abord la dénonciation de demande de pot de vin pour être dans le BNC. Le fond de l'affaire, c'est, M. Leblanc a expliqué dans la décision nationale, c'est qu'il était dit dans la réunion CARICOM, qui était faite la Grenade, 47e réunion, que il y a une enquête qui a été faite par une institution étatique qui est habilitée par la loi pour faire lire. Et à partir du moment que décision prend, après respecter décision, il dit que CPTA fait une mauvaise route, n'a qu'à se faire courir ça, ça a nuit à stabilité et pays a comme été pays dans un gros bouleverse. Le fond de l'affaire, c'est cette affaire de scandale qui n'est pas vidé. Et il y a des gens qui ont l'impression que Jean et CPT a géré là avec trois conseillers SAO qui épinglé Captain ça et par quelqu'un pour décider sous dossier. C'est comme si il y a fou mon bagage dans la gorge population. Sur le fond de l'affaire, parce que c'est ça dont il s'agit. Et renouveler considération été fait avant rapport ILCCA pour nous d'abri. Très bien. Sur le fond de l'affaire, dans notre, nous faisons sortir, d'ailleurs, première phrase là, c'est ça, que collectif là, était attaché avec position de gagnant, selon laquelle collectif là mandé pour, une réponse politique à un scandale politique. Ok? Nous étions attachés à ça. Et, on va permettre mes fonds de réserve, entre parenthèses, nous-mêmes, position nous, c'est pas vin défendre sénateur Leblanc comme coordonnateur CPT. Ça, c'est problème sénateur Leblanc. Nous-mêmes, nous gagnons sénateur Leblanc qui représente nous en dans CPT. Son l'autre cas. Et c'est ça qui concerne nous. Donc, sous base là, lorsque nous allons bien avant rencontrer
et CPTA, accompagné d'une délégation Montana, tout. L'idée, c'était de dire deux choses très simples. Écoutez, monsieur, nous-mêmes qui venons là, nous pas ni tribunal, nous pas autorité judiciaire, donc nous pas dans question de qui monde qui innocent, qui monde qui coupable. Nous venons là, c'est simplement venir faire nous remarquer, d'une part, son gros scandale politique qui est internationalisé, et d'autre part, un scandale politique qui demande une réponse politique. Donc, c'est à ce moment-là, quelques jours après, qu'eux-mêmes, ils ont sorti des informations par eux qui dit que il y a tant, parce qu'ils n'ont pas une réponse tout de suite pour dire, mais ça, vous pouvez le faire. Donc, il y a même monde qui te comprend son dilatoire que lui. Et c'est là, ça, ils ont dit, il y a tant de résultats et enquête ILCCA avant que vous prononcez officiellement, je dis ça. Quand il y a enquête la sortie, et l'enquête la sortie, au lieu de nous faire face à une réaction de CPT par rapport à ça, mais plutôt, ou bien ça passe à côté que une nouvelle administration qui est installée avec les trois personnes qui impliqué dans le scandale d'NCA. Kounia, ou ka pren ça deux gens. Un premier gens, c'est un deal qui fait, côté que conseiller qui pat nan ancienne rotation, Kounia a eu une occasion pour rentrer dans la nouvelle rotation. Et de l'autre côté, monsieur qui épinglé dans le scandale, yo, Kounia, yo kase fè kouvri sa, kote ke yo mèm yo kontinye fonksyonè an dan CPTA avèk tout privilèj ke sa genyen, y kompri le dwa de vòt, y kompri posibilite pou enfluansè tout gwo desisyon ki konsernè l'Etat haïtien. Sè te sa ki l'sagi. E loske mèntenan ou nan situasyon kon sa, ou gen deux problèmes qui devant et c'est ça qui nous même interpellé nous et c'est pour affaire de sénateur Leblanc et gen moun m'a profité de ça là m'a pas quoi son secret lié gen parole qui t'a parlé pour sénateur Leblanc t'irrité nous pas jamais entendre personne non collectif là dit ça ni a pas publié ça m'a quoi nous jamais entendre ça donc nous même nous pas rentrer dans question ou d'État, que ce soit du côté du sénateur Leblanc, que ce soit du côté de l'autre monde dans le CPTA. Ça, c'est la réserve là. Maintenant, le problème là, présenté aux personnes, problème qui, de fond, c'est le fait que on a créé dans la tête l'État une incertitude d'une part, et d'autre part, on a créé une instabilité dans référence pour décision d'État. Ah, ça veut dire. Ça veut dire, job on l'État, on homme d'État, c'est faire le maximum pour qu'imbé une stabilité institutionnelle dans tête l'État. Ou pas qu'à changer les règles tout le temps, ou pas qu'à violer les règles ou même choisir impunément, et ou pas capable de créer une instabilité institutionnelle dans tête l'État. Ou pas capable, non? Et l'on fait là, ça finit mal quand même. Donc, c'est un souci, ça, nous-mêmes. Nous fait ça parce que nous estimons, si sénateur Leblanc, lui prend disposition pour ne pas participer, il fait la nation qu'on est ni, ça veut dire que c'est collectif là qu'on y a, qui te voyé là, qui est en condition de négocier avec bénéficiaire coup d'État, parce que lui-même n'est pas qu'à négocier avec qu'on y a. Donc, sur oui, base, maintenant, qui te pardon de m'interrompre. Maintenant, gen les moun qui ouais ça qu'a passé là tant qu'un coup de force, tant qu'on est position, tant qu'on mise à mal de l'éthique républicaine, tant qu'on aventure qui grève d'hypothèque le sérieux et la réussite de la transition. Est-ce qu'on peut partager ou pas lecture ça yo et Agonon Victor? Très bien, non seulement m'appuyer lui mais mal plus loin, c'est ça que ça va parler de coup d'État.
en termes de communication, côté population, on comprend tout de suite, ça veut dire, leur parler de coup d'État. Et ouais, son coup de force qui n'est pas reposé sous la loi. Pour une loi, nous pas dans la Constitution, nous pas dans la loi qu'on y a, c'est très bien. Mais la loi de référence pour nous-mêmes, c'est l'accord du 3 avril. C'est base là ça. Mais qui n'a jamais été publié, déjà que tu es dénoncé dans le premier coup d'État contre l'accord du 3 avril. Là. Est-ce que là, déjà, n'a pas publié là, CPT a été déjà brûlé les. Dit, le pont ou les ponts qui t'a permis un contact institutionnel et normal avec les secteurs. Et c'est exactement ça. Oui, bien, et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous sommes en contradiction avec le sénateur Leblanc en tant que président CPT. Désir, nous avons des gens qui ont nommé de Victor Baléan. Monsieur montre clair que, et bon, question et capité ça, question conseil ça. Et bon, quand je me dis que ça, il va dire bagarre la clé, mais il n'y a pas de bagarre qui a un avenir pour lui. Il va y avoir un avenir pour lui. C'est depuis le démon de l'appel, il m'a déqualifié d'association malfaiteur, qu'on y a en forme d'association malfaiteur net, parce qu'il n'y a pas respecté pièce, principe, il y a même eu établi. Exactement. Et l'autre dossier, je regarder les yeux, peut-être qu'il y a une réaction sur ça, c'est la question situation haïtienne dans ce domaine-là. Gain mettre Arnel Rémy qui lui même réagit et qui parlait de ça bon, c'est que nous t'es capable venir avec lui même Jean gain pile l'autre monde qui yo même cap réagir sur dossier ça on permet mon monsieur capable tendre mettre Arnel Rémy pendant quelques minutes et puis sous question dossier qui est pour avec et déportation compatriote haïtien la caï voisin 24. Bon, moi content ouais nous, moi salue tout journaliste qui là. Et merci d'être fait intervention, d'être nous fait nous venir dans la conférence là. Parce que nous t'ai trouvé extrêmement important pour fixer position comme avocat par rapport à ce qui a passé dans le pays. Et notamment question déportation massive que la République dominicaine a fait ces derniers temps. Et grand pile monde qui offusqué moi-même tout m'offusqué par rapport à traitement que a ba compatriotes haïtiens moi-même tout m'est fâché par rapport à gens y a humilié haïtiens moi-même tout moi pas content parce que déshumanisé nous comme haïtiens et ceci image ça va faire le tour du monde et dit non on pas la voir là quel que soit haïtien qui voyage à l'étranger il a toujours gardé aux yeux le discrédit parce que y a gardé ou y a est-ce que ça haïtien est-ce que c'est pas République dominicaine qui a fait ça folle là. De deux, moi m'a dit que République dominicaine li violé protocole qui était signé entre New York et Haïti sous question déportation en 1999, décembre 1999. Parce que oui, ou bien pouvoir pour déporter, ou son souverain, ou son état souverain, ou grand monde là. Mais cependant, convention internationale qu'on ratifie, qu'on signe avec et République dominicaine non. Yo dit mais comment vous déporter mon sa dignité dans le respect de sa personne humaine. Donc Jean Noël Dominique a fait là. Donc ça n'a aucun rapport à respect convention, à respect protocole là. Et comme défenseur de nous mêmes nous dénoncer ça dans niveau cadre. Nous dénoncer ça et nous dit il n'est pas possible pour République Dominicaine à traiter haïtien dans point ça. Son comportement raciste et son comportement xénophobe. Et kounya, l'on finit de faire toute considération sur ça. Bon, question pas pour poser tête nous. Qui ça nous fait comme haïtien et qui ça nous fait pour éviter que haïtien a pour humiliation ça la caille et dominicain. Tout autant que nous pas mettre en question problème ça yo pour nous recommander apporter solution, moi ba nous garantis que c'est kounya tout pas le fait, c'est kounya moun pa le faire cellule, moun pa le créer cellule, moun pa le faire réunion. Moi au moins clair là-dessus. Pour éviter ces déportations massives, racistes et inhumaines, premier ça pour faire c'est la caille pour changer. Comment cacher la caille nous c'est à partir de choix politique qu'on a fait. Moi adresser ma population là. Qui choix politique qu'on fait pour éviter que dans 5 10 ans pour pas petit à milieu comme ça battre comme ça. C'est important hein. Si nous avons une stabilité politique dans la caille, les compatriotes ne peuvent pas jamais quitter le pays pour aller pour l'humiliation, pour couper quand
à le faire, à le travailler sur le chantier, à le boter ciment. La République dominicaine, côté qui a couru derrière, m'a regardé des gens qui ont tombé. M'a regardé des gens qui ont fait accident. Maman petite, yo probable se connaît, yo séparé, yo rache de famille. Tout ça dérange nous. Mais kounya là, si tu as sécurité, si tu as l'hôpital, si tu as manger, si tu as travail, et dit population pas d'intérêt à migrer République dominicaine. Donc kounya nous même ça pour faire choix politique que nous va le faire, c'est pas des monde qui parle en pile nous. Monde qui pas de vision, monde qui pas un projet de développement, c'est pas pour voter. Faut voter de monde qui a de programme politique qui est intéressant, qui a permettre que honneur, dignité, respect, de toujours préserver ça. Mais ça fait moi-même, si on ne va pas une solution pour dire, écoutez, mais ça n'a fait pour éviter que si il y a 10 000 personnes, progressivement, peu de monde parle de dominicaine. Qui sont mettés? Vous mettez sécurité? Regardez, pour, bah, la pima toujours, mais gang babé y a. Or, KAE, Ponsondi, tout le monde victime. Eh bien, le monde n'a pas ça, l'abdomen est sous tente, l'abdomen est battant. L'abdomen est sous place publique. Et on n'a pas jamais fait. Le où est la KAE, il n'est pas jamais stable. Eh bien, l'obligé, font Jean, pour aller chercher la vie meilleure. Eh bien, c'est dans chercher la vie meilleure qui fait que nous avons un milliard tout ça. Nous-mêmes, comme avocat, nous dénoncer. Et deux, trois, nous disons. Côté diplomatie, côté ambassadeur qui représente la République dominicaine, qui positionne, aussi le Sagouana, ils ont fait, nous dit, mais ça arrive que visant ambassadeur de la République dominicaine a fini. C'est-à-dire, s'il finit, lui-même, il n'y a pas qu'à le dénoncer. C'est-à-dire, il y a même statut avec que les gens prennent dans le camion. Tout ça, sont ensemble de problèmes. C'est-à-dire, nous avons ensemble de dirigeants qui pas fait, pas prendre des décisions politiques correctes, qui juste, qui fait que le jour de a payé. C'est-à-dire, si nous avons un ensemble de monde qui t'a réfléchi pour nous, nous ne pouvons pas mourir là. Si nous avons une stabilité, nous ne pouvons pas prendre une humiliation. Si nous avons l'hôpital, si nous avons un travail, si nous avons une sécurité, au moins, parce que le débat, si un travail, il faut un milieu bien, si nous avons l'école, il ne peut pas mal chercher. Ce qui fait que je dis, là, la prend un traitement inhumain, déshumanisant ça. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre que la population a souffert. Population en bruit, monde victime, et Dominique a fait capital politique, Abinader a fait capital politique. Donc je dis là, pas une autre et solution, c'est bataille pour nous comment nous mettre la paix en dans pays. Bataille pour nous comment nous permettre que petit monde à l'école. Bataille pour nous nèg qui compte travail la balle travail. Chaque haïtien travail ou bien permettre que la travail. Ou après, il y a moins de monde qui a envie de migrer vers la République dominicaine. Donc, nous dénonçons ces violations du protocole qui est signé entre Haïti et la République dominicaine concernant les déportations. Nous dénonçons ces mauvais traitements. Nous pensons que l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, il faut prendre responsabilité. Nous dénonçons les gens qui ont traité Mounio et nous pensons que c'est extrêmement important pour ça changer parce que nous vivons dans une époque où les droits humains sont respectés. Donc je dis là, ça qu'a fait là. Il n'y a pas aucun rapport à respect de la monde. Et nous-mêmes, dans le niveau cadre, nous pas d'accord et nous pas besoin d'accepter. Parce que fort l'État ça agit, fort le gouvernement ça agit pour éviter que les Haïtiens prennent trop d'humiliation. Mesdames et Messieurs, en tant que mon cas. Dans le moment, il est trop tard. Parce que, en vertu du principe de la souveraineté, il n'y a pas aucune leçon qu'a le bail de Dominicain là. Mon second nom. Ça veut dire que la bataille qui a mené son bataille de dialogue, son bataille diplomatique. Ça veut dire que Mounio rencontré avec les diplomates pour voir comment il a essayé d'alléger la peine haïtienne qui a déporté. Ça seulement. Mais Kounia, je vais avoir une véritable réponse. La véritable réponse, c'est qu'il faut changer le mode de politique. Il faut changer la politique. Ça veut dire que les gens qui sont sénateurs, députés, Kounia, au lieu de battre pour une pérille, c'est battre un intérêt pour éviter que les gens ne migrent vers la République. Kounya, ce que ça pour faire la gouvernement, c'est mettre stabilité dans le pays pour éviter que si tu as 10 000 personnes qui peuvent aller, Kounya, c'est 5 000, c'est 2 000, c'est 3 000. Mais tout autant, nous ne pouvons pas stabiliser le pays, mettre la paix, mettre la sécurité, mettre l'école,
permettre que ça caisse travail. Et bandi ça yo qui c'est exactement Enel Nordé ak Baudelaire qui au même jeune nan moyo, matin vendredi 11 octobre 2024 là dans zone Desormeaux dans département Grand-Est Payan, d'après un sous sa policière, individu ça yo t'ai fait partie réseau criminel que ti quelqu'un t'a dirigé. Nous songe dans temps passé en haut yo, t'ai gagne un certain de ti quelqu'un dans niveau gravine et qui d'après le mourir. Eh bien ti quelqu'un n'a parlé là, c'est ti quelqu'un avant hier que bande et la police était dans la ville dans zone Desormeaux dans département Grand-Est Payan. D'après ça que nous apprenons que eh bien la police qui déterminé pour capable aller chercher et pour garder comment que le capable mettre la paix dans département Grand-Est Payan. Gen Aimé a c'est troisième chef gang Desormeaux dans la commune Dame Marie département Grand-Est Payan tout. Monsieur est tombé dans soirée te jeudi 10 octobre 2024 là. Et un jour après si quelqu'un chef base là les mêmes te joignent la molle. Malgré faible moyen la police a gagné dans département Grand-Est quand même. Il a décidé fait échec à un plan macabre criminel qui décidait vincimer désagrément notre département Grand-Est Désir Venesse. Et les samedi nous clairement Désir, mais selon parole principal de la police non, qui c'est Michel Ange Lujeune, monsieur clairement dit que la police et Andy mettait présence dans département de la Tibonite. La police a voué renfort dans la ville Arcaïen puisque nous connaissons jeudi qui était 10 octobre là, mais bandi et Jeff Canaranyo n'est que t'es décidé pour t'attaquer moun k'ap vive dans cité drapeau hein, et que plusieurs moun qui mouri, que plusieurs moun qui blessé et que plus divers kay qui moulé à l'école. Et dans ce ça que la police annoncé à travers papa li, yo prend un ensemble de dispositions pour capable contrecarrer action bandio. Laissez-moi dire nous désir venesse. Dans journée jeudi 10 octobre 2024 là, GPM Gariconi à travers plusieurs images qu'une capable remarquer sous page la primature. Mais PM Gariconi qui trouvait dans pays Kenya après que sorti dans Émirats Arabes Unis et il tombait il trouvait dans pays Kenya côté que la discuté avec autorité kenyane pour garder comment qu'il capable déployer reste 600 officiers kenyans qui t'a droit fait partie mission national. Est-ce que et reste 600 officiers ça va déployer pour fin anéant pour commencement année 2025 là, c'est des questions à poser, mais je dis hein, gagner urgence et gain péril de la demeure, gain obligation pour que gagner les soldats policiers qui fait partie mission hein, la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti pour capable résoudre question insécurité à Désir Venesse. La situation de bandits n'a pas chauffé dans le département de la Tibonite. Côté gagné divers mondes qui vivaient kidnappés par la journée hein, sur route nationale numéro 1. Côté la police te dit mené opération et dans la base Kokoratsaras, c'est bien Kokoratsaras, retourné pour la plus belle dans kidnapper monde qui a fréquenté route nationale numéro 1 dans la zone la Quaperis. Et bandits base gangrifio sorti dans la nuit 10 pour arriver matin 11 octobre 2024. Et bien bandits base gangrifio et cambriolé divers cailles dans bouc rivière la Tibonite et poté aller, il y a des machines qui mettent des gains qui étaient parqués en dedans et parkingio. Et bien bandi regarder ensemble machine ça pour descendre dans base. C'est juste pour montrer question opération que votre parole principale la police dit qui a mené aux alentours bandi base gangrifio ça pas inquiété et bandi base gangrifio tout pendant matin 11 octobre 2024 là dans route Grassette qui tout près sondé dans route coloniale là yo kidnappé en machine qui assurait transport et Lester Semak a consondé et bien au kidnappé dernier c'est monde qui était dans machine ça yo rentré dans base. Des situations presque chaque jour qui paraît extrêmement difficile malgré autorité ou fait quoi qu'il y a pris disposition sous situation qui gagne dans niveau département la Tibonite qui permettent que citoyens yo a poser question qui ça la police décide faire à travers déploiement ça qui raison réelle déploiement est-ce que c'était pour venir démanteler gang ou bien c'était pour venir bailler gang de sécurité dans département la Tibonite parce que yo dit en fait pratiquement 8 jours après massacre qui était fait dans le sondage, les personnes, yon nan bandi bas gangrifio pour marier, yon nan bandi bas gangrifio pour retrouver dans une situation difficile, mais vous continuez à vaquer avec activité qui rend que la population est pratiquement a perdu confiance dans la responsabilité mission que la police a gagné et pour débattre la Tibonite pour résoudre le problème d'insécurité. Je dis en tant que gagné au Conseil des ministres, jeudi vendredi 11 octobre 2024, selon information qui lui vient de nous, et Conseil des ministres en tant que et soit reporté, et bien qui gagne des accords sur quelques dossiers parmi eux.
dans le plan réunion qui à la base la décision, et ça d'après une source crédible qui partageait information avec nous sur ce fait nous connaissons, mais nous avons un conseil présidentiel de transition, les personnes et pour capable créer et ça qui vient pour être création organe contrôle à action gouvernement, ça qui relève occasion là, et bien à conseil national de sécurité à KNS1, et bien autour ensemble des discussions que tu as regardé, et bien jusqu'à présent. Conseil là, pas que j'aime résoudre le conflit qui gagne dans le temps secteur de Wamounio et pour être capable de faire choix à représentant, alors que le conseil ministre voulait compléter le conseil électoral provisoire. C'est des situations qui paraît très difficiles. Conseil ministre qui a organisé, à ma réponse pour nous, je tape pris plaisir ou bien je tape bien sur table là pour question au cas là, que nous connaissons qui pratiquent une responsabilité et blesse personne, qui se création organe contrôle à action gouvernement et gouvernement pas d'accord. Pour gagner organe qui pourra venir contrôler, venir suivre l'action qui a posé, eh bien, il y a pété l'obéissance entre eux pour permettre que ça ne passe jamais. Question KNSA, Conseil national de sécurité. Il y a un autre conseil sans doute qui a bien importance. Tout dépend des gens qui ont pas le mettre là-dedans. Ça va permettre que vous fassiez face avec question insécurité. Jusqu'à présent, les personnes, c'est Gourmet qui gagne entre la primature et la présidence. Sous question ça, qui permet que vous ne pas chita vraiment pour chercher une résolution avec problème. 5,4 millions haïtiens dans problème insécurité alimentaire. 5,4 millions haïtiens trouvés dans situation insécurité alimentaire en dedans pays d'Haïti. Coordonnateur CNSA dévoilé ça pendant journée jeudi qui se passe là d'après Amal Kazo, Haïti dans une crise manger dans moment qui élevé avec 48% population haïtienne pas qu'à manger. Assez ça au besoin. Et jeudi on capable imaginer. Yo tous chaque des monde qui est dans situation très difficile pour jeune manger pour le manger chaque jour. Mais on peut arriver dans situation ça blesse personne, ou comprendre vraiment que pays a pratiquement arrivé dans dernier niveau ou bien dans bas niveau côté personne pas arrêter pour exister encore. Plusieurs employés l'état tant coup EDH, BMPAD, pour ne citer ça seulement, mandé gouvernement de facto pour payer plusieurs mois de travail, yo doué OK ou pas jamais payer blesse personne. Pourtant, yo fait quoi que gouvernement gagne l'argent qui a gagoté tout partout à travers pays. Même Jean Sinayo qui n'a dignité, qui a transporté Timoun Boal l'école, l'école l'a ouvert, il y a diverses revendications qui ont venu dans le cas de Mounsayo pour demander avec l'autorité pour respecter ça avec comme condition pour que paye pour continuer à travailler. Sans nous pas quitter employé de GIO qui continue à goumer pour exiger l'autorité de l'État pour payer pendant nous avons divers compatriotes qui ont couru quitter la République dominicaine. Yo par contre qui côté au aller et jusqu'à présent, sujet ça a été très tabou pour l'État haïtien. Yo été invité ambassadeur pays République dominicaine en Haïti à la cadre de rencontre. Majorité ambassadeur était présent. Selon information, c'est à celle. Ambassadeur pays, c'est demain qui va présenter sur toute dernière information. Qu'on y a la fin de la question pour nous. Et qui ça qui t'a à la base, qui t'a fait que ambassadeur pays, c'est de maintenant, lui-même, lui pas présent dans la rencontre, ça, qui t'est convoqué par le conseil présidentiel et surtout président conseil. Oui, il faut d'abord poser question, qui ça t'a expliqué que, et consul dominicain Haïti n'a pas répondu présent. Parce que ça va poser question sur ça. Est-ce que c'est évident ce que tu as fait en trop tard? Ou dis-moi, est-ce que c'est parce que lui t'es senti que, Gélébaga qui t'a pris à discuter, t'as pris des décisions que t'as pas prendre, et qui fait que lui-même n'est pas présenté. Désir, et pendant que, ou sous même dossier, ça, les samedi tout avec Zamio, que nous apprenons tout, qu'il y a un groupe haïtien, eh bien, matin, vendredi 11 octobre 2024, là, yo décidé à implanter piquet, yo, devant consulat dominicain qui trouvait dans Pétionville, pour enlever un message clair, ben, autorité dominicaine, yo, et dans la façon qui a déporté Haïti. Qui eux-mêmes et dans de mauvaises conditions la caillou c'est demain des Yvonnes ça. Bon, pour certains monde qui réagissent sur question ça blesse personne, yo fait quoi que République dominicaine nan droit pour gérer question politique migratoire, mais la façon que l'a géré là, li pas bon parce que li pas respecté droit migrant yo la façon qu'il a déporté. Pour ni l'état haïtien besoin prendre responsabilité li en ce sens pour essayer garder qui genre cap traiter question ça qui cap prendre que respect ensemble haïtien yo li respecté dans quatre déportations qui a fait yo et l'état préparé espace pour recevoir ensemble haïtien ça au cap rentrer on est dans pays en tant que j'en dis gain diverses organisations et secteurs qui arrangé pour y a le fou le béton pour y a le devant consulat devant ambassade et dominicain qui en Haïti pour y a questionner ambassadeur pays République dominicaine qui ça l'a fait qu'on y a blessé en pile mon a posé cette question comme c'est Leslie Voltaire qui c'est président conseil présidentiel transition bien coordonnateur
conseil présidentiel de transition, qui toujours a le soin de santé en République dominicaine, est-ce qu'elle capte des décisions sévères, est-ce qu'elle capte des déclarations sévères à l'encontre de la République dominicaine et qui c'est le pays qui bat le soin de santé dans le besoin de la situation? Et dans même nous, c'est si vous n'avez tout, gagné la question politique, on a dit bien, gagné collectif 30 janvier, qui est un plusieurs partis politiques là-dedans, gagné Grec, gagné Mopol, gagné PHTK, gagné Uni Haïti, et qui vous est représenté, qui c'est Edgar Leblanc-Fils dans le conseil là, et bien selon ça qui dit par ancien colonel Imle Rémy et agronome Jean-André Victor, il dit que yo mandé avec Edgar Leblanc-Fils, qui est même si représenté dans le conseil là, mais pour que lui retire l'école dans le conseil présidentielle transition qui donc et bien collectif a dit que yo pas reconnaître Edgar Leblanc-Fils comme représentant yo en dedans conseil présidentiel transition qui donc tout ça qui prend comme décision et tout ça qui va poser comme action et bon côté et Edgar Leblanc-Fils en dedans conseil là mais li pas engagé collectif à 30 janvier selon ça qui dit bon côté ni colonel ancien colonel Imle Rémy et mettez avec agronome Jean-André Victor puisque jeudi hein yo comprendre que oui, que conseil présidentiel apprend là et lui prend une mauvaise route et ça risque et fragiliser et même risque écraser conseil et mettre paysan dans situation très difficile selon ça qui dit bon côté ancien colonel Imle Rémy mettez avec mais agronome Jean-André Victor est-ce que je dis en désir nous risquer ouais que c'est un conseil qui prend le chambader est-ce que nous dit que c'est prend vraiment et on dit tabula rasa parce que qui commence comprendre que ni KPTN ni gouvernement koninan mais yo tout ensemble yo poko wè exactement ça qui a réglé dans intérêt haïtien parce que imaginez que nèg yo dé refusé publier tendez bien oui nèg yo pas jamais accepté publier accord 3 avril 2024 là nèg yo pas jamais accepté pour mettre campé organe contrôle action gouvernementale là nèg yo pas jamais décidé mettre campé conseil national sécurité hein ça veut dire que nèg yo messieurs dames pas rien de sérieux y a réglé et vient régler qui donc peuple haïtien préparez l'esprit nous préparez nous parce que nous pral perdre on 19 mois encore m'a dit ça clair peuple haïtien si la cap vive en Haïti yo si la qui à l'étranger ou comme diaspora qui t'a mère la caille changer préparez l'esprit nous et déjà préparez nous pral perdre on 19 mois encore après 32 mois qu'on se perdit avec Ariel Henry et nous déjà pral perdre 19 mois parce que les garder comportement monsieur Sayo les garder comportement et quel que soit tes capet tes gouvernement koni les garder yo tout en général pas gain en rien sérieux que une réglé dans intérêt Haïti ça veut dire c'est un perdu que y a fait là et yo pral profiter faire tout ça que pour faire et puis l'elle est arrivé il a dit bon je t'ai que volonté mais parce que t'ai que tel problème t'ai que telle situation t'ai que tel c'est là et ça fait pas que t'ai fait si qui donc jodi en là faut comprendre que et faut commencer caler genou faut commencer caler genou pour que on capable comprendre que jodi en ça en face nous réalité qui en face nous pas capable accepter le comme ça et ça fait que nous prenons responsabilité nous quel que soit haïtien qui en notre pays quel que soit haïtien qui dans diaspora et comprendre que eh ben messieurs dames qui dans l'état yo il y a passé dans rance il y a passé dans bêtise et yo pas conscient et yo pas que volonté pour retirer nous dans problème qu'ils trouvent là désir moi monsieur mais ça vous barbecue moi monsieur Bessa vous voyez message ba barbecue qui vient faire mon tande là très bien et kounya sous question et question politique dans question conseil là collectif 30 janvier qui mandait avec Edgar Leblanc-Fils pour retirer l'école dans conseil présidentiel là il y a plus de monde qui a essayé d'autre questionner essayer faire comparaison essayer et mener et ça a gagné comme point de vue dans analyse sous question ça cap dit est-ce que communauté internationale là parce que Edgar Leblanc-Fils était porté un discours qui t'est piqué qui t'est frappé toute nèg qui fait partie communauté internationale là est-ce que yo pa gen pas de responsabilité dans ça est-ce que yo pa jouer là-dedans est-ce que c'est pas yo qui a joué avec collectif 30 janvier parce que en pile dans nèg yo ou nèg yo là yo dit a diriger en Haïti mais pratiquement c'est communauté internationale là qui a dit qui ça pour yo faire exact et c'est même gens tout
C'est des gens qui essaient donc de faire des parenthèses, qui disent ça qui a passé en République dominicaine, non? Et typiquement semblé qu'elle gagne, mais les États-Unis, ils gagnent le Canada, ils gagnent la France, derrière, qui pour permettre que le pays a tourné en situation de terreur, en situation qui est terrible, parce que lorsqu'il y a 10 000 Haïtiens qui a déporté pour vivre dans le pays, qui pratiquement trouvé dans l'insécurité généralisée, qui sont prêts à gagner comme opportunité pour essayer d'aider les gens, mais depuis qu'ils viennent la caillou, il y a bien chance pour vivre quand même, si c'est pour manger. Même autant de qu'ils ont dit 5,4 millions Haïtiens trouvés dans une situation très difficile, extrêmement difficile pour manger, de pour la caillou, ou arranger quand même pour manger. Mais qu'il y a qui sont prêts à faire rentrer la caillou situation par rapport à la situation que nous avons décrit depuis un bon bout de temps en dedans pays qui est liée avec la question insécurité. Monsieur Damien a parlé des questions élections. Il n'y a pas aidé tout le bagage là, je veux dire. Ça, on t'a souhaité faire. Yo même mettez des commissions campées sous pied. Yo tenté mettre des conseils électoraux sous pied. Mais est-ce qu'on a fait élection dans divers espaces si pas de sécurité? Majorité moun ki levek parti ki te la yo, kap soufri et kap pren humiliation, ke nou a dominique a violé, a bat, c'est parce que yo pas de levete pour bandi en Haïti tout yo. Yal pon refuge en République Dominicaine. Est-ce que autorité haïtienne yo prend toute disposition pour recevoir moun sa yo et recevoir dans dignité, accompagne yo pendant tout temps que vous avez pour faire de retour dans le pays d'Haïti pour permettre que vous travaillez, pour occuper madame ma petite qui vous gagne de la situation? Ça, c'est vraiment, ça, c'est une grande question qui est liée, mais entre temps, et par rapport avec tout ce qui là, les m'gade réalité avec ça, les gars, dit, désir, moi, que ça, autorité, dit, li loin de réalité. Li loin, loin de réalité. Parce que jusqu'à présent, ouais, KEP a beaucoup j'aime capable complet. KEP a gagné 7 moun, 7 secteurs. Alors que il doit que 9 secteurs. Et ou pas attendre comme ça cap passer. C'est comme quoi que yo tout veut faire manger sous de l'autre secteur qui se doit assumer avec secteur femme non. Elle dit jusqu'à présent même 7 secteurs ça qui déjà voué moun. Non conseil ça ou pas j'aime qu'on est à la dernière minute. Si papa qu'on leur décide qui va le prendre pour yo rebattre quatre là pour yo regarder question et conseil électoral provisoire là. Est-ce que comment ça me dit hein? Le bagage encore et faire élection pour qui est-ce? Qui est-ce qui va aller comme candidat? Qui est-ce qui va le voter? En garder situation parce que faut gagner bureau électoral communal. Faut gagner bureau électoral départemental. Alors, il faut que la sécurité, il faut que le climat de sécurité dans le pays, il faut que la paix. Est-ce que l'enga de réalité, l'enga de conjoncture, est-ce que ne pas que, dès que je prends le fait temps passé, jusqu'à ce que 19 mois arrivent, et puis plus ou moins de rallonge, parce que, pas oublier récemment, les Edgar de Blanc-Fist a adressé avec Nation, il était dit que, ou tel ouè kapete apren la, li riske pral mette nan plis crise, et li riske tout pou ke, kote ke kapete apral mande rallonge. Ave di, nek yo tout geta ap jwe sou sa, nek yo tout geta ap prepare yo, paske yo pral mande rallonge. Kounya, eske pep haïtien yon, apre ke l fin pedi 32 mois avec équipe Ariel Henry yon, eske l pral pedi, bon, déjà commencé perdu parce que on garde bon ouais avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Elle dit nous déjà parti pour 7 mois là que en époque jamais réglé. Nous déjà parti pour 7 mois avec conseil présidentiel transition ça mettez avec gouvernement Konil là poko gain rien de concret qui fait. Même question sécurité hein. Nèg yo te ba comme priorité, nèg yo beaucoup même faire S dans sécurité comme mot. Nèg yo beaucoup même faire S non dans sécurité comme mot. Parce que barbecue continue à péter par la pile. Toute la semaine barbecue a fait le TikTok. Si la blague fait TikTok, ils ont prend les îles. OK, après les îles et dans village de Dieu, la fête DJ. Et la mort sans jour a tué moun. La mort sans jour a participé dans le programme et prend micro pour demander moun yo. En li même avec la police qui est pour le bail qui yo pour Québec quoi des bouquets. États-Unis a passé nous dans l'ans.
a mette 2 millions de dollars pour mon qui t'a dit mes côtés vite l'homme 200 y a mette 1 million de dollars pour mon qui dit mes côtés que l'homme 100 juillet a dit même international là mette avec bonne conse qui là dans l'état yo et puis ou pensez que gros volonté vraiment pas de volonté mon cher pas de volonté pour ta retirer Haïti dans sa li là. Et ouais, je dis, hein, trois conseillers qui indexés dans le scandale corruption, yo, ouais, nèg yo dit comme ça, yo pas fait un pa kita un pa nago, jusqu'à ce que nèg yo prouve que yo pas pralé, yo même accepté voter une résolution 6 sous 7, et yo accepté pour que yo voye aller Edgar Leblanc fils, et yo ba Lesti Walter Postan, Prague et Fritz Alphonse Jean, et puis finalement, a gagné Laurent Saint-Cyr qui va venir comme président capitaine. Un secteur privé après le président pour organiser l'élection. Qui va, quand a fait l'élection ça? Quand a fait l'élection ça? Non, ça, et même qui a dernier, c'est dernier monde qui a fait organiser l'élection. Bon, secteur privé, lui même, quand a dû ouvert, il a toujours fait sélection, lui même, parce qu'il a gagné l'argent, il a acheté candidat. Li investi côté que ça moun ki ka bon il a investi parce que les moun sa vinn bon pour moun sa al déchèpier pays avoy bali et kon sa secteur privé fonctionné pas question que secteur privé fait élection d'ailleurs ouais que et eux même qui boss les politiques en Haïti et secteur privé qui boss nèg ka fait politique en Haïti donc je dis pas vinn faire comprendre comme quelque soit moun nan pas vinn faire comprendre que les Laurentien si pas prêter pays hein comme président capitaine après quoi qui va fait non m'a pas rien. En tout cas, désir, envers mon yotande HB Sapsayo, qui montre que yon ge volonté et pour aider la police, aider l'armée d'Haïti, aider mission nan bata contre insécurité. Et me songe que Guy Philippe te dit, si yon mette la police, l'armée, BESAP, yon ba ou moyen, yon capable résoudre question insécurité nan 90 jours. Bon, peut-être c'est comme ça Guy Philippe ou elle. Et Guy Philippe, c'est un ancien responsable de la police que lié, c'est un ancien militaire. Et Guy Philippe, qu'on réalité a bien la question et sécurité, qui donc, ça Guy Philippe dit, est-ce qu'on peut ignorer ou dit, monsieur, est-ce qu'on est capable de toute importance qu'elle mérite? Bon, oui, on est capable de dire ça. En tout cas, désir, on a déjà mis ça, puisque vous parlez sur le dossier ça. C'est bien, et nous saluons. Bon, avec tout bouche, c'est pour lier, il a dit ça, il est. Et mes frères qui connaissent, nous-mêmes, c'est un arrêté qui te mette nous là. Ce n'est pas gang nous-mêmes. Nous-mêmes, ce sont des agents, BESAP. Et comme lui-même, il a toujours remarqué que la police a pas eu ni dans gang, mais nous-mêmes, BESAP, nous parlons pour gang. Parce que c'est la raison que nous parlons pour gang, nous avons des amis, mais nous, si nous devons faire gang, nous avons fait gang. Je dis à nous-mêmes, nous là, c'est pour nous défendre la patrie, la patrie en danger. C'est pour ça que nous-mêmes, nous là, comme BESAP. Nous entendons là parler, il dit que. Et nous-mêmes, BESAP, c'est lui qui nous a venu jouer pour nous résoudre le problème pays. Nous avons besoin de problème pays à résoudre, mais ce n'est pas dans la gang. S'il veut pour nous résoudre le problème, ce n'est pas dans la gang pour lui. S'il veut la police qui va jouer, comme il toujours dit, ça présente la police, mais ce n'est pas BESAP qui va jouer barbecue dans la gang. Nous-mêmes, nous là, c'est pour nous sécuriser la population. Les populations en danger, c'est pour nous sécuriser. Parce que la parole dit qu'il n'y a pas arrêté le monde pour nous faire ouvrir. Oui, c'est pour nous faire ouvrir, mais nous travaillons pour la population. Mais après déclaration, avant déclaration, là, il y a un discours révolutionnaire. Selon ça, le table expliqué, c'est un conseil révolution. Donc, il y a même la bataille pour révolution. Et puis, nous-mêmes, non, barbecue qui a passé 50 ans pour une révolution. Mon pari est moins fait. Barbecue, c'est comme la faire. Chaque point de besoin fait comme il parle de révolution. Exactement. Dans le sens, nous avons nous-mêmes, en tant qu'agent BESAP, en institution légale, tant que nous-mêmes, nous avons rentré dans le barbecue. Ça est impossible. C'est juste la position nous prenons dans la main pour les conseils de tous les BESAP dans tout le pays. Il concerne tout de ça. Nous ne pouvons pas arriver à ça pour ne pas rentrer dans la gang. Si nous avons fait ça, c'est que nous avons la batterie, nous avons le peuple là. Et nous allons là pour aller dans la gang. Est-ce que BESAP est concerté déjà avec BESAP qui est au cap, le département, pour nous connaître ces mêmes discours à la côté? Cher bonjour, que nous avons un groupe, nous partageons tout ça, nous avons besoin de partager sur vous. Nous avons besoin de faire appel, nous avons un groupe et puis nous parler, c'est fini. La question, nous parler chaque jour. Nous parler sous groupe parce que nous avons un groupe national. Que nous gagnons toujours partager des idées ensemble. Alors, quel que soit ça, on me dit là, il dépend de tout BESAP. Mais est-ce que la déclaration ça n'a pas fait quelques agents BESAP subir en bas de mes vivants ensemble? Non, il va pas subir comme on dit là. Pour qui ça veut dire là? C'est que nous-mêmes, nous vivons avec nous, nous ne parlons pas la dingue. Si là, dit que nous venons venir, comment on va venir venir là? En tant que nous, c'est agents, nous, c'est l'État.
barbecue c'est pas l'état lié, c'est un groupe qu'il formé, il va être traité comme gang, mais nous ne pas gang, nous sommes les il traite nous pour des sous-sous parce que j'ai nous fait goumer et agent nous mouri pas grand qu'une réaction et puis c'est après l'agent nous n'a fait c'est nous ça t'a rapporté. Bon, il a toujours dit c'est comme nous t'a fait parce que lui-même si nous t'a voulu faire comme j'en dis parce que nous qui prend zame c'est kidnapper monde tuer monde gens qui a fait comme ça mais nous même c'est pas idéologie nous ça nous même c'est défendre la patrie c'est ça nous là pour faire c'est ça qu'on toujours il a toujours voulu nous prendre zame pour aller pour faire mon quitter zone là même j'ai fait tout le monde couvre de prince mais nous même dans le département d'Odès c'est goumen pour nous défendre la patrie au lieu pour nous faire groupe c'est joindre venir nous parce que mais en pile mal pas jour aujourd'hui ça qui passe dans Saint-Domingue tout le monde qui court quitter pas de prince c'est Saint-Domingue y aller jour aujourd'hui pas arrêter Saint-Domingue. Quand il a demandé, c'est ça d'a connu là en tant qu'agent Bissap, faut que Haïti change, faut que frontière soit fermée. Et si frontière pas fermée, pour nous résoudre le problème ça qui en République Dominicaine là, bon garantie dans 2-3 mois encore, on va prendre tout haïtien parce qu'il finit le doigt. Nous même nous prenons toute initiative pour fermer toute frontière. Et n'attend peuple là, pour peuple là devant nous d'ailleurs. Mais dit nous va passer à l'action là. On va passer à l'action, c'est peuple là n'attend, sans peuple là nous ne va pas avancer. Alors pendant qu'on a parlé de République Dominicaine avec déportation, alors nous connaissons une coalition qui va s'amenacer, une coalition qui est vraiment forte et qui, côté le pas présent physiquement, il y a des problèmes, il y a des alliés. Et quand il y a là, côté n'a pas voir pile le monde qui a fait ce qu'il y a République Dominicaine et en plus, les cap gestes dans la communauté. Est-ce que nous ne pensons pas que le monde ça a venu créer des problèmes dans la communauté et qui est-ce que nous avons pris pour nous combattre? Non, et bien attention, belle question posée là. Et avant que nous recevions Mouna, il faut que nous lui-même nous identifier qui est lié. Et qui côté le sorti, qui est origine nous. Et c'est ça nous fait. Et là, Mouna vient nous toujours qui est. C'est le même quand il y a un pile gang qui sauve qui le pays. Et puis là, regardez, vous venez là, vous venez à terre là. Et c'est ça, il y a un petit problème avec Bakale sur ça. Bakale n'est pas ni où il toujours le point pour lui mettre dans le bazar. Nous disons non. Avant de venir avant Mouna dans le bazar, il faut que vous parlez avec nous pour nous identifier Mouna qui est Mouna. On va parler de moi, qui est mon cap c'est en République Dominicaine. Déporté. Okay. Dans ce sens, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous. C'est pas personne, mais il faut que ce monde nous connaisse, illégal, qui a marché côté le dans tout le pays. Alors, en parlant de Bois-Calé, comment Bessap ouais, et travail Bois-Calé a fait et Bois-Canal là? Bon, travail Bois-Calé a fait, c'est un bel travail. C'est un bel travail et nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec le travail Bois-Calé a fait. Seulement, nous connaissons assez longtemps qui est en discussion. Et si le peuple a dit qu'il a décidé de prêter à nous-mêmes, la papille est le peuple, à nous-mêmes c'est pour le peuple nous là. Dans ce sens, si le peuple a appris, nous dit bon, et nous avons pu nous motiver sur la question de nous-mêmes nous là, pour accompagner le peuple. Nous dit si le peuple a dit, comment vous pensez que le peuple a dit? Le peuple a dit qu'il vient chaque monde pour nous sauter, il dit qu'il a fait garder là, on va accompagner le peuple. Ça, tout ça c'est le peuple. Si c'est seul Bois-Calé, nous-mêmes nous ne pas le camper ensemble avec seulement Bois-Calé, mais depuis que le peuple a venu, il dit que. T'es à Yopoul, bon, nous-mêmes, pas gagné le choix. Mais à chaque fois, Bois-Calé a parlé, il a toujours dit peuple là. Bon, il a toujours dit, mais nous-mêmes, nous avons suivi jusqu'à nouvelle ordre, nous peuple là, maintenant, levé en masse, et puis nous-mêmes, nous avons fait des ados peuple là. Alors, tout ça, peuple là, c'est nous pour aider. Alors, commandant, nous avons fait un petit tour sur le dossier Taléa. Vous parlez de fermes, petites frontières, et nous connaissons pas gagné un portal. Comment nous-mêmes, nous pouvons fermer les frontières là? Ouais, frontière là, il a besoin de portail pour le fermer. Si l'État fait travail, li, et nous-mêmes, en tant qu'agent BESAP, nous avons plié dans toute frontière là, et puis pour nous fermer la frontière là. Ça veut dire pas besoin de portail. Par exemple, si il y a des gens qui viennent passer là, nous avons interdit de passer. Nous avons interdit de passer parce que pas un portail directement pour passer. Et il y a des fois, par exemple, des gens qui ont réussi à nous activer, nous faisons retourner. Nous avons passé dans l'autre zone, nous ne connaissons nous pas là. Avec dit dans sens ça même si son portail est gagné ou bien pas gagné portail nous ca toujours dit frontière la fermer ça t'avait dit ça prêt pour aller sous pont là oh mes amis nous pas prêt même nous-mêmes nous pas jamais pas prêt depuis peuple là en avant nous-mêmes nous là mais comment pour les fonds avec agent douanier pour le prendre ça c'est yo si yo dit a fait l'état tout bon vrai que ou ça cap passer haïtien pour pareil nous que supposé camper dans même cas avec nous si yo pas voulu ça c'est yo mais nous n'a pas c'est pour peuple. Chef gang barbecue fait appel à nous-mêmes pour nous capables de rejoindre. Est-ce que nous pas t'a pensé que c'est parce que nous pas dans budget nous pas y a touché les mêmes dépenses capable il payer nous chef. C'est pour ça le fait appel à nous-mêmes pour nous rejoindre. Barbecue a toujours fait appel à nous mais nous pas jamais rejoindre barbecue. Même la raison et pas parce que nous pas toucher. On a rejoindre barbecue. Et c'est ça nous dit tout à l'heure même si nous pas gain monde qui paye nous-mêmes nous là c'est pour faire travail peuple là d'ailleurs nous gain monde qui soutient nous c'est diaspora et nous prenons monde ça. Diaspora pas jamais lague nous, c'est toujours soutenir nous et en même temps, on a demandé à Diaspora
et nous avons oublié nous, là nous dit oublié nous parce que par rapport à des dettes nous avons gagné pour construction hein, et que nous avons un petit gens et nous avons un petit gens là dans ce sens là, nous avons des gens qui nous bail mais pour ça tout, il y a des gens qui vont nous bail. Nous avons demandé à chaque gens qui vont nous bail moyen pour nous payer des dettes parce que bah, ça dérange nous en pile. Là nous dit dérange nous, là nous avons la caille, nous avons demandé un cob et que ça a vraiment dérangé parce que dette là me défait, c'est pas pour moi même me défait. Je me fais une dette pour tout le monde. Je me dis pour tout le monde, quel que soit le monde qui vient là dans la maison ou bien dans la construction, il faut capable de servir tout le monde. Là, il y a tombé, il faut vient là, pour capable parer la pluie en balle. Il y a un monde qui vient, et quel que soit le côté sorti, il faut besoin faire un besoin pour capable de faire. Ça veut dire que c'est pour nous faire nous-mêmes en tant qu'Ariane Bessap, nous faisons pour le monde entier. Allez, même si vous êtes aux États-Unis, au Canada, à la France, quel que soit le côté, il y a un entier, il vient là. Si besoin, il y a une douche. Il faut que nous cherchions côté pour nous bailler. Même dans tout, c'est pour nous conscients pour aider nous payer dette là. Bessap et Gampil, difficulté, Gampil dette. Et si Jimmy Cherizier t'a décidé pour t'a faire un don avec la construction d'affaires, ça n'a pas pris. Arrêtez de bailler ça même. Nous ne pouvons pas prendre dette dans ma Jimmy Cherizier. Nous même nous disons qui est le monde qui bosse nous. Bosse nous, c'est Jaspora. C'est eux qui ont commencé, mais dans quel niveau vous arrivez. Je dis, nous ne pouvons pas essayer de don. Et après le faire, nous-mêmes, j'ai un barbecue gang là. Si nous devons rentrer dans la gang, nous avons des amis, nous sommes gang. Nous avons fait l'argent tout. Mais ce n'est pas ça que dans l'idéologie, nous-mêmes, ça que dans la tête, nous, c'est défendre la population haïtienne. C'est ça que dans la tête, nous avons la question là, si nous devons faire l'argent. Barbecue, c'est des amis qui aiment, ils font comme nous-mêmes, nous avons des amis, nous faisons comme tout. Mais ce n'est pas l'opinion, pas nous ça. Nous décidons de camper bon côté bon population. Côté là. Bon merci. Côté là. Et avant tout, monsieur, téléphone, moi, c'est 43, grand pile monde qui toujours demande ça. C'est 43 26 38 65. Et n'importe qui t'a relé, ou capable briller dans 43, 26, 38, 65. Nous demandons à chaque monde qui peut faire une participation. S'il vous plaît, aidez-nous. Et parce que nous avons besoin de dettes, nous avons demandé nous l'argent. Chaque jour, nous avons relé, nous dérangé. Nous avons souhaité qu'il y ait des gens qui comprennent nous avec ça. Est-ce que vous avez identifié qui est payé? Dette là, c'est dette nous avons acheté, côté nous avons acheté pour plomberie, pour l'électricité. Et nous avons un boss qui travaille. Donc, pour chapante, nous avons des gens qui ont fait. Pour nous découler dalles. Ça veut dire tout. Sans ça, nous, c'est effectif d'être là, ça, d'être nous doués. Alors, nous t'assurons que nous comprenons nous. Et pour aider nous, nous qui pouvons faire ça, essayer de comprendre nous. Parce que. Je vais commencer par finir. Par finir. Parce que chaque jour, nous avons fait pour nous la caille. Madame, j'ai un problème, dis-moi qui m'a imité. Madame, je suis fâché avec, mais dis-moi qui m'a imité, nous avons fait pour nous comme ça. Vraiment dérangé. Nous t'assurons que nous qui pouvons faire ça, aider nous. Et puis, nous avons un boss. Boss là, il a malgré ça, il a tellement à l'aise, il va si vous m'avez la pensée, c'est bon. Commandant Ilens, nous sommes comme ça, donc je dis à la moi pas sous travail, donc quand je dis pas sous travail là, c'est parce que nous avons un malaise avec mon bail qui a fait mal dans la Fiki. Comme le matin, la Fiki a été enflé, donc le matin, je suis obligé sur le canal là. Mais quand même, moi là, je ne suis pas capable de participer, c'est une bonne construction. Et Jean Ouais, chef l'a dit, c'est comme ça, nous toujours gagné mon doué. Alors, si ça que nous recevons, nous n'avons aucun petit morceau, mais c'est beaucoup fini. Et on toujours demandé nos comptes. Donc ça veut dire que je prends la parole quand même, et parce que je suis un antigène grave. Alors je ne vais pas arrêter quand même. Je suis content et parce que nous faisons des vies à continuer. Et je suis un journaliste, parce que si vous pouvez vous aussi pour vous, eh bien, je suis un journaliste qui connaît quand même, mais ça va trouver n'importe ça et un diaspora pour vous. Je vous remercie d'avance pour travailler ça. Et continue. Bon, désir, non, intervention à Bessap ça, M. Bessap ça, gagnez plaisir aspect, gagnez plaisir point pour nous garder. Mais un point plus important aussi, dossier, barbecue pas qu'à oser dit à GB Sabio rejoindre. Et comme ça, monsieur dit qui clair, barbecue a parlé de révolution. Barbecue a plus que 5 ans là, presque 5 ans là, vraiment, la parle de révolution ça. Et chaque fois qu'il parle de révolution, il a bloqué, je vais premier ça de quand il a bloqué terminal Varou en bas pour gaz pas sorti. Après un petit temps, entendez, il veut négocier avec ben, l'argent, il est bloqué. Oh, et l'hôpital n'a pas gaz, il n'a pas fait cimenti. Chaque fois qu'il fait blocage, non, c'est demandé, c'est vous, vous négocier avec, vous voulez l'argent. Bali. Il y a là, barbecue dit la faire révolution. Qui révolution l'a fait? Qui est joué avec pas calvan dans la ville? Qui est sur mettez dehors? Et pas même, qui est-ce qui touye plus que un certain monde dans son débat, même équipe, association criminelle vivant ensemble? Non? Qui est-ce qui a fait massacre sur mon akaye? Pas même équipe association criminelle vivant ensemble? Qui révolution a fait la même? En révolution contre même monde qui semblait avec eux? Révolution avec même monde qui dans même classe ensemble avec eux? Et sa révolution? Hein? Et si nèg di a fait révolution, même juste mal comprendre, révolution barbecue. Comme barbecue toujours monter l'a dénoncer des monde. Eh ben, monde que l'a dénoncer contre qui est sur quel côté? Qui l'a rejoint yo?
qu'elle fait ça la fois avec yo. Et je dis en là ou d'accord que barbecue et en direct oui pendant la faire la vidéo audio là m'a prendre que demander bébé bougoy qui pour ta kidnapper des journalistes qui vivent ensemble. Et bien journalistes qui campaient contre bagaille vivent ensemble c'est font gens joindre kidnapper yo. Et bien qu'on a pour comme alors est-ce que barbecue penser que un journaliste qui est lucide pral d'accord avec ça nèg vivent ensemble faire. Bandi pa gen état d'âme. Bandi pa gen zami. Zami fami bandi c'est bandilier. Fami zami bandi c'est bandilier. Y a nèg konnen ça clair. Depuis yo te fè partie association criminelle yo te entre là-dedans non. C'est exactement c'est eux même, c'est bandi pa yo fami yo. Donc comment je dis pas femme d'accord que on nèg jeune garçon jeune femme nèg yo théorisons population. Nèg yo détruit un pays, voilà pour jodian là, comme si pour quel que soit le barbecue bien, nèg vivent ensemble te maintenant tête que nous t'apprêt faire ensemble avec yo. Parce que nous t'apprêt d'accord ensemble avec yo. T'as tout facile monsieur. Et à HB ça yo monsieur, on comprend que oui et n'a pas connu des moments difficiles parce que jodian là l'état négligé monsieur dame Bessap yo. Alors que Bessap pas encore illégal, Bessap sont encore légal qui en dedans ANAP. C'est vrai qu'il y a des autres en dedans Bessap. Qu'il y a des autres dans Bessap. Mais des autres capable corriger. Parce que même en dans la police, il y a des autres. Même en dans la police, il y a des autres. Et si il y a des autres en dans la police là, ça veut dire et pas Bessap qui va avoir des autres. Mais même Jean il y a des dispositions qu'on prend pour corriger ensemble des autres qui gagnent dans la police. Mais on prend ensemble de dispositions autour pour corriger des autres qui gagnent dans le Bessap. Et mettez monsieur dans le Bessap. Utilisez ça qui est capable d'aider à résoudre l'insécurité. Parce que vous même, vous êtes dans la communauté. Vous connaissez toutes les mauvaises graines. Vous connaissez. Je dis, bon, c'est que si vraiment tout, la police, mais l'État n'a plus au niveau, besoin résoudre l'insécurité, il faut le penser à rendre Bessap, à bail Bessap moyen, à structurer Bessap, disons. Structurer et garder comment on est capable d'utiliser dans aider gourmet contre question d'insécurité. C'est selon moi-même, Désir Venesse. Très bien. Même à rendre Bessap qui t'a parlé, à où est-ce qu'on est qui moral dans ce spal? C'est vrai, on a des difficultés, mais on dit que on pas prendre un moyen qui se tire dans n'importe côté. OK? D'accord avec elle, non, en ça. Si le bataille pays qui a été remarqué que le barbecue a fait, sans doute, il a pris un barbecue, maintenant, ça, il y a un barbecue à faire, il y a qualifié c'est de l'argent que le barbecue a fait, chaque temps, le besoin font comme il parle de révolution. Le barbecue est contre tout le temps, il parle de kidnapping, mais je veux dire, le barbecue dit qu'il a l'argent. Qui côté barbecue, il a l'argent parce que le barbecue est passé dans la police. Fait 14 ans. Combien de copes que la police te paye? Si vous grand nek, si vous avez l'argent, je veux dire. Si vous promettez moun coûte 50, coûte 60 000, qui coûte aux jeunes? Et qui problème que barbecue gagne avec un journaliste qui pratiquement fait des analyses sous action réseau criminel que la dirige qui est vivant ensemble, a fait sous population? Ou pas qu'il y a parlé de révolution et puis moun qui a victime, c'est moun qui semble avec maman ou qui semble avec papa? Qui semblait avant également. C'est eux-mêmes qui ont kidnappé, c'est eux-mêmes qui ont appauvri, c'est eux-mêmes qui ont violé par bon papa qui ont kidnappé. C'est eux-mêmes tout qui a quitté les opens après au fin de l'argent kidnapping. Comme si je dis, ou t'es venu pour nous-mêmes comme journalistes, t'es d'accord et viens applaudir dans ça. Je ne crois pas que vous avez besoin, nous-mêmes comme journalistes, je n'encourage pas, parce que ça va faire aller les crimes. OK? Ou pas policier, ou pas agent de sécurité. Ou pas une force spécialisée, ou bon paquet de qui gagne ça, mais ça, c'est infraction avec la loi qui est. Ou besoin de punir pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord, si c'est ça qui fait estomaquer, si c'est ça qui fait mauvais, c'est où qu'on est. Mais de fait, situation difficile pour le monde qui, normalement, en dedans pays d'Haïti et diaspora qui besoin de la CANI, c'est nous-mêmes qui sommes en captivité. Nous faisons le monde qui pas vivre dans la CANI. Nous, nous nous trouvons dans une situation très, 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 très difficile.
Je dis, il y a des gens qui ont investi la caillou, qui n'est pas Reginald Boulos, qui n'est pas Accra. Tant que j'en ai dit, c'est bourgeois, c'est grand nègre. Qui n'est pas politicien que qu'on a cité non. C'est des gens qui arrangé, qui fait vivre dignement, n'en fait plusieurs travail États-Unis, n'en fait plusieurs travail Canada, n'en fait plusieurs travail la France. Et puis, ou apogri Mounsao, ou retire tout ça que Mounsao te gagne. Je dis, ou rentre que Mounsao loin, ça a été gagné comme tradition. Ou rentre Mounsao loin avec culture. Et Mounsao envie, en pile fois, retourner la caillou. En garde, en pile fois, ouais, en pile chef gang a fait en pile hypocrisie. Dans la question et déportation qui a fait là, il y a Mounsao qui est sensible. Il y a Mounsao qui a passé en République Dominicaine dans le déranger. Il n'est pas dérangé, vrai. Bon, qui est-ce qui rend Mounsao dans la situation difficile? C'est nous-mêmes qui causons Mounsao dans la situation difficile. Parce que quand vous avez la situation, vous te mettez ta balle en République Dominicaine avec l'argent d'elle. Vous n'avez pas ta balle en République Dominicaine, non? Vous avez pris en Haïti. Mais vu que vous trouvez dans la situation, mon choix, par rapport avec l'insécurité, vous allez en République Dominicaine. Qui cause que les Dominicains a lancé avec les Haïtiens. Qui cause les Dominicains a fait ça ou qui a fait là. Même garantie de l'institution. Pays à la sécurité pour un ou deux, République Dominicaine, pas jeune, monde qui a la donne encore, surtout haïtien. Ok? Et autorité, besoin de prendre position sur ça. Parce que, autant de agents de sa plaidie, si la population dit jeudi, elle a fermé les frontières, elle n'a pas besoin qu'on ait. Elle n'a pas accompagné la population pour fermer les frontières. Mais au moins, l'État, question relation et bilatérale ou bien relation diplomatique que nous avons avec Dominicain, au moins, posons action. Mouté ou pas intéressé avec les relations diplomatiques avec eux. Parce que yon m'a traité notre blessé personne. Et bon, mais nous avons fait retourner avec la police, la papa principale la police, bien dit, parce que pas oublier, c'est le papa la police qui gagne Michel-Ange Louis Jeune qui c'est papa principal là, et gagne Lionel Lazare qui c'est papa adjoint la police là. Et bien, nous venons avec papa principal là qui c'est Michel-Ange Louis Jeune, que lui-même qui pral parler concernant. Et département Credence mettez sous sa gain tout dans la Tibonite et à Kaye, puisque selon monsieur, les juges que la police non, et vraiment que le travail qui a fait. Parmi 104 mouns, 27 mouns arrêtés sur mandat, c'est autorité judiciaire et de concert avec autorité locale, notamment le parquet de Kaye, la police livre démantelé, yon pi pou réseau. Vol de moto et habitude, messieurs, dames, c'est voler moto dans le département voisin, mettez yo dans des conteneurs, mettez yo dans des camions à broter charbon et alvan moto sa yo, et moto sa yo utilise yo pour moun ka fait antenne pour bandi. Ceci, au mieux, pour arriver 30 septembre 2024 là, c'est 104 moun que la police dans le sud arrive arrêter. Diverses infractions. Parmi 104 moun sa yo, 27 moun arrêtés sur mandat. C'est autorité judiciaire dans le département qui desservit les mandats. Réseau mafieux sa, qui travaille dans la question motocyclette sa. C'est 13 moun que la police privée spécialement arrêté et 38 motocyclettes confisquées. N'oubliez pas que l'opération sa, li rive fait de concert avec autorité judiciaire dans le département. Yo. Donc, tranche d'âge et Mounsao, c'est des gens qui varient entre 28 à 55 ans. Donc, ça veut dire que nous avons une idée qui type de monde, qui catégorie de monde qui est impliqué dans ce genre de transaction. Alors, que dans Grandance, jour qui était 9 octobre 2024, là, la police dans Grandance, il veut faire un bel coup de filet côté un chef gang qui est le Tikenken et. Dans un premier temps, qui t'a montré que les rencontrer avec l'autorité locale, ils remettent des armes, côté qui t'a fait comprendre que n'est pas dans la question de banditisme encore, alors que ils continuaient l'activité criminelle jusqu'à jour qui était 9 août 2024, là, dans l'échange de tirs avec la police, qui t'a pas arrivé mortellement à terre. Donc, c'est ensemble de bagailles qui méritaient attirer. Et attention population, hein, parce que en pile dans bandits, ils ont traqué dans le département de l'Ouest avec la Tibonite, ils ont cherché refuge dans l'autre département. Yo. Et c'est ça qui fait nous toujours attirer attention population hein, pour très veillatif par rapport à des visages que vous ne connaissez pas et vous ne pas habitués ouais,
dans l'environnement. Chaque fois, vous avez gens de visage, vous avez gens de monde qui ont fait monter, qui ont fait des allers-retours dans l'environnement. Il est important que vous alertiez l'autorité judiciaire, l'autorité policière, l'autorité administrative. Yo, et s'il y a des interventions qui sont nécessaires, des enquêtes à mener, et à prendre effectivement est-ce que c'est des gens qui méritent de traquer. C'est important tout pour nous faire la population connaître. Et depuis l'attaque meurtrière dans le bas à Tibonite, plus particulièrement dans Pont Sondé, et commandement la police là rapidement et prend des dispositions pour différentes unités spécialisées et cordélite anti-gangue qui arrivent dans le département. Le moins que nous capables de dire pour l'instant, le département est sous contrôle la police. Il y a des opérations qui commencent maintenant, notamment dans fief foyer gang Kokora sans race qui est dans la Croix-Péris et notamment et aux environs de Savière, il y a des progressions qui commencent à faire jusqu'à ce que l'unité arrive dans l'espace et pour neutraliser Bandio. Donc il y a un ensemble de travail et qui commence à faire, par exemple marché consolidé et fonctionner normalement et dans le principal axe il y a plusieurs barrages routiers et côté Bandio est considéré comme étant des points de rançonnage côté de rançonner population hein. Donc la police est arrivée libérer espace ça yo. Maintenant la police a continué progresser jusqu'à ce que arrive dans fief grand foyer gang ça pour arriver by population hein. Yon nouveau souffle pour population capable de vivre vaquer à activité li pour moun avec bien capable de vivre circuler dans meilleures conditions de sécurité. Nous depuis quelque temps bandits utilisent intoxication désinformation comme un outil pour détourner attention population hein, pour essayer jouer à opinion publique là et dans une large mesure essayer ouais comment ils sont capables de détourner attention force de l'audio pour ne pas arriver sous studio. C'est qui ça d'abord? Sur les réseaux sociaux, les virales, côté Bandio a montré que il y a un char qui a brûlé. Côté Bandio a montré qu'il y a un policier, à la fois policier étranger et policier national, qui mourit. Nous voulons dire, opinion publique là, pas de ni char. En cas d'opération ça que la police a mené là depuis arrivé à minute m'a parlé là pas gain ni char qui boulé pas gain ni policier kenyan qui mourit pas gain ni policier haïtien qui mourit ça est extrêmement important pour nous faire opinion publique là connaît ça par contre qui ça fait ils ont utilisé des images qui étaient passées longtemps dans l'autre circonstance. Et puis, il a essayé ouais, comment il a adapté à ce qui a passé la Tibonite, notamment pour détourner l'attention du monde. Et nous, la population a été très vigilante par rapport à ça. Et pour continuer pour tes supports, pour continuer pour tes collaborations, by force de l'audio, parce que les bandits ont touillé, les bandits ont simé la pagaille, tout le monde, quelle que soit la couche sociale, ou capable d'appartenir aux victimes. C'est frère nous, c'est soeur nous, c'est maman nous, c'est papa nous, c'est cousin nous, c'est cousine nous, c'est policier nous, c'est avocat, c'est médecin, c'est toute catégorie sociale, c'est journaliste, c'est tout le monde qui est victime. Donc tout le monde ça a eu intérêt à faire une cause commune à une situation criminelle qui a dérangé nous. La police, à travers la direction centrale de la police administrative et le parquet du Saint-Marc, des informations comme si tu as un problème entre la direction centrale de la police administrative, ça nous le DCDA, pour nous rendre compte, avec le parquet de Saint-Marc. Or, ces deux entités qui condamnées pour le travail ensemble et pour résorber, pour arriver à contenir la situation. C'est qui ça, ça y est. Et il y a des gens qui montrent sur les réseaux sociaux, direction, alors, et commissaire Saint-Marc, le commissaire parquet Saint-Marc, là, t'es venu dans la direction centrale de la police administrative, il était rencontré avec le directeur central de la police administrative pour lui faire part des situations éventuellement qui arrivent dans le Pont Sondé et que pour
inspecteur général là à recevoir. Effectivement, commissaire gouvernement, d'après inspecteur général là que nous rencontrons, commissaire gouvernement vient dans la direction générale pour le rencontrer avec le directeur général. Il est allé dans le bureau chef cabinet directeur général là. Il prend un rendez-vous pour le rencontrer avec le directeur général qui passe sur place le jour. Et il m'a parlé le 2 octobre 2024. Alors que l'événement meurtrier, la Tibonite, va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Ça, c'est le premier bagage que nous avons besoin de signaler. L'événement va arriver du 2 au 3 octobre, alors que la situation ça, là, existait depuis environ 4 à 5 ans. Le commissaire gouvernement est venu le 2 octobre, situation dans la journée, situation va arriver dans la nuit du 2 au 3 octobre. Alors ce que le commissaire gouvernement dit, c'est l'inspecteur général là, directeur central de police administrative là, responsable de ça. Ça veut dire une situation qui là, qui vieille depuis 4 à 5 ans, dans l'espace de quelques heures, on se met responsable. Tout le monde qui comprend, qui analyse la situation de près, on pense capable de faire tête une opinion. Or, le bureau du directeur central de la police administrative ne se trouve pas à la direction générale de la police nationale d'Haïti. Le bureau du directeur central de la police administrative se trouve à quelques mètres de la direction générale. Je ne suis pas même sûr que le commissaire gouvernement compte pour le bureau directeur de la police administrative d'Haïti. C'est certain que l'inspecteur général l'a fait qu'on n'ait pas jamais rencontré avec le commissaire gouvernement. Donc, pas de question de la police administrative là, pas de recevoir. Parce que, au contraire, le commissaire gouvernement et le directeur de la police administrative là, et la police dans son ensemble, ils ont condamné pour le travail ensemble. Et l'autorité, entité dans l'État, la police, ils ont obligé de jouer une sérénité pour le travail, pour faire cause commune, pour défendre un intérêt commun qu'est la sécurité. Depuis environ 3 mois, bien sûr, depuis mise en place nouvelle administration, ça, ou après, sont leur paradigme, et sont leur façon de faire. Et donc, la police n'est pas contente essentiellement pour intervenir, mais deuxième phase qui est tout aussi importante, c'est la phase de la consolidation. Et c'est ça qui prend plus de temps. D'ailleurs, c'est à peine perdu que la police intervenue, ils font effet pompier, après ça disparaît. Donc après, depuis nouvelle administration, ça sont le paradigme, et non seulement la police intervenue, donc ils ont phase de consolidation que ils mettaient en exergue, qui pour permettre à ce que malfaiteurs ne pas retourner et viennent nuit et population en bien-être. Mais pendant la ça tout, nous devons rendre compte et nous devons souligner tout que le problème là, il est quasiment national. Et la police, tout, il y a pour obligation pour intervenir tout côté ça à la fois. Mais il faut comprendre tout, des fois, nous sommes limités par des moyens. Donc, c'est des bagailles qui méritent pour nous prendre en compte tout, qui fait des fois, ouais, même si la police a volonté pour faire face des consolidations, aller le plus loin que possible, vu qu'à chaque fois, comme si il y a un problème qui est aggravé quelque part et la police est obligée d'intervenir. Disposition de guet-en-plan pour renforcer les rivets et commandement et informer les situations. Et Jean Soudzoula, et même Jean, commandement de la police, là, il y a une stratégie, il y a une stratégie, c'est essayer de nuire la population le plus possible et la population doit tout joindre et bien collaborer avec l'institution, collaborer avec le commandement, la police là, et autorité locale, maire, et autorité administrative, autorité judiciaire, et qui population dans son ensemble doit impliquer parce que Jean Soudzoula, c'est tout le monde qui a dérangé et c'est tout le monde qui doit faire cause commune et pour contrer la situation. Ça. Côté ma parole là, certainement renfort arrivé déjà, et parce que vous êtes déjà en route, et le commandement a multiplié et effolé, a multiplié moyens, les maigres moyens qui à la disposition li, pour arriver au maximum et possible que le capable. Il y a des interventions
et il y a présence et la police là et dans Grissier et il y a présence la police un peu partout et commandement par un commandement qui était croisé pour le cap plein pour moyen mais au moins les maigres qui est à sa disposition il commence à mettre en œuvre il commence à utiliser et il commence à bailler le minimum des résultats possibles. Maintenant ce que ce qu'attend la population et c'est que les grands axes routiers et à débloquer certainement on est très conscient de ça et c'est normal pour la population à dire ça c'est normal pour la population à faire exigence et à monde qui est responsable pour bailler sécurité et pour bailler sécurité et monde qui est responsable est très conscient de ça tout et mais voilà et n'a avancé sur ensemble et de problèmes ça yo oui nous au courant gain ensemble gain quelques rares cas kidnapping et qui fait dans dernier jour ça yo et moi parler avec le DCPA le premier chef des opérations et dans ses attributions et préventives et cap mener information yo cap intervenu cap fait prévention et etc li au courant et quelle des dispositions et cap prend et pour empêcher le plus possible que Jean de Cassaro répète. Le directeur général là, M. Rameau, qui te comprend la situation ça, et qui te comprend le problème, il y a à la fois externe, mais il y a tout aussi interne, et rapidement, il fait diligence et pour une nouvelle promotion et de policiers rentrés pour la formation. Nouvelle administration ça, il prend des mesures qui pour permettre nous ne pas continuer à perdre du policier, ne pas continuer comme si le policier ne pas continuer à partir pour quitter l'institution. Li bayo li améliorer d'abord espace de travail yo la travail certainement pour améliorer espace de travail yo travail aussi pour améliorer conditions de travail yo ou après tout récemment là pas moins de 10,000 policiers et sont pas moins de 41 unités spécialisées sur recevoir prime de risque yo et la continue travail sur ça pour bail minimum d'avantage et que le capable permettre chaque grain policier bénéficier pour encourager eux et rester travail et c'est ça l'affaire recruter l'autre policier et faire leur promotion. Bon, désir dans commencement émission tu as parlé de situation la Tibonite matin disons et est-ce que vraiment qu'il y a un vent d'espoir ou dis-moi est-ce que depuis après m'koué la fois passée que la police t'ai fait une démonstration pour entrer dans base monsieur Kokoua sans ratio bon vraiment pas trop gros comme si m'a dit bien et résultat possible puisque à part de quelques présumés bandits qui t'a prendre qui était blessé et t'es police qui t'est blessé légèrement et puis t'es gay barrière deuxième chef gang Kokoua sans qui écrasé c'est ça que gagne comme bilan mais est-ce que depuis après ça et pas gagne qui pote comme évolution bien que nous t'ai pas parole principale là qui c'est Michel Le jeune dit que le département la Tibonite, là, surtout dans le niveau de la Tibonite, est censé sous contrôle et force de l'audio. Alors que ou même, ça a comme information, montre que bandit basse grand griffe au quart de ratio, n'est que style continue à kidnapper moun et moun ka vivre dans Ponsonde, moun ka vivre dans Tirivière, moun ka vivre dans Liankou, yo toujours sous pression parce que, et temps en temps, autant de, comment que yo dit bandit grand griffe a ben envahi yo et ça crée de gros vent panique, de gros la pérèse, la kay moun. En ça, que va parler principal la abdi avec réalité moun ki nan bala Tibonite des Ivenes pardon et qui ça ou même qui c'est Jacques Zoreno et qui sont directeur d'opinion et qui a suivi réalité qui ça lié exactement avec Zami Captain des Gardino là yo l'inspiration porte-parole la connaît et ça le porter comme discours c'est sous poudrage que lié c'est vrai gain déploiement diverses unités de combat unités d'élite en dedans la police qui présent dans le département de la Tibonite. Mais qu'on y a en garde axe d'intervention. Est-ce que c'est axe important? Est-ce que c'est yo que vous utilisez? Vous êtes consondé. Pendant que nous connaissons, gang n'a pas de foyer, c'est base gang n'a pas de consondé qu'elle te. Gang n'a c'est ton action qu'elle devine poser pour sonder et puis les replier dans base. Nous connaissons qui côté base gang n'a. Pour que j'aime une intervention qui fait vraiment dans base gang riche. Eh bien, ailleurs au soir, yo cambriolé ak pied plusieurs cas dans bout de la Tibonite. Bien bonné matin 11 octobre 2024 yo kidnappé moun dans localité Grassette sur route coloniale côté ou te di moun pa dra passer t'a tiré sur moun yo. Yo kidnappé une machine et transport public qui était chargé passager là-dedans. Bandi Kokorat sans ration également frappé yo kidnappé moun matin vendredi à tout. Ça veut dire c'est journée ak nuit ensemble de ça que porte parole là la PC donc
et partager comme détail sur situation qui gagne dans département la Tibonite. Gen de moun nan département la Tibonite qui qualifie des opérations bat paye ça ça ta fait pas pour être sans ça. C'est vrai ou rive ou ti gagne divers bandits qui blessés. Pas problème nous kembe ça. On machine détruit. Est-ce que machine nan te de détruit parce que bandi yo pas acheté machine. C'est machine de moun que aucun bayo prend. Si la police gagne une possibilité li intervenir li prend machine nan, est-ce que la police est obligée de tuer? Nous connaissons très bien machine yo pas connait que c'est des moun que yo kembe yo prend machine yo nan même. Craser barrière kay gang nan c'est très bien parce que c'est vrai c'est moun yo casser point yo construit ça là mais ou permettre au moins que la croix li rete libre. Mais après ça ou virer ou aller. C'est comme si la vie merci à terre pas vraiment gagne rien vrai. Question intoxication que bandi après oui gagne des vidéos d'intoxication qui sorti pour les gars compter que yo prend blendé yo boulé puis gagne Kenya gagne soit pas gagne bagarre comme ça. Et côté audio fait là, c'est ça vient on dit bon, ça vient pas d'opération. On a besoin bien fixer objectif et comprendre ça qui a passé. Je dis à la situation, moi pas avoir l'espoir. Situation 24 fois plus difficile, pour qu'on ait présence policière dans Tigrisier la Tibonite, pas de présence policière dans Liancourt pendant et porte-parole la police dit entièrement le département de la Tibonite sous contrôle de la police. Qui gens comprennent qui gens définit entièrement sous contrôle de la police. Est-ce que Tigrisier pas fait partie du département de la Tibonite? Est-ce que Liancourt pas fait partie du département de la Tibonite? Dit éloge pour dit que vous crasez on ensemble pense des péages et par côté gang de qu'on a fait rançonnement dans niveau cafou paye. Mais yo sorti dans l'autre limite. J'ai kidnappé moun. Et dans même périmètre cafou paye là, dans jardin il y a un cop dans même moun qui a travaillé là tête. Ça il pas vraiment gain rien de concret qui fait dans quatre mission ça en dedans département des situations et gata gain couteau tiré. Et bien, la capable fatale. C'est la police pratiquement voulait commencer dans le bois qui puis fait blanc. Qui ça ne dit pas là? C'est commencer sous nex, soit qui dans la coalition, ou bien qui dans la résistance, ou bien autodéfense, ou bien groupe expérience aux unités d'île. Pour quitter les grands griffes, ou pas, j'en ai pour checker sur eux. En pile, machin gonflé commencer à gagner dans le niveau du battement. C'est gros machin gonflé commencer à gagner. Surtout dans le poissonné. Parce que mon lieu de poissonné dit déteste pas, mais quitter dans l'autodéfense. Bah, la table est un petit risque pour eux déjà. Ils ont demandé la police. Pour mener l'opération en base gangriff, qui représente le danger à vous, et vous-même, vous avez rassemblé toutes les armes qui ont pour s'en pour remettre bail, et la police, après, au fin de la base gangriff. La police voulait que c'est dans l'autodéfense qu'elle veut aller. Bah, ça, c'est pas fait. La fatigation, on a débattu maladie bonne idée. Et désir, pour nous finir là, nous allons regarder Singapour en 2-3 minutes, non, mais quelques Haïtiens qui ont même avec drapeau au pays d'Haïti, Marie Tetio, Kebenameyo, et qui a dénoncé et façon que l'État dominicain a déporté combattants haïtiens dans de mauvaises conditions. Désir, on a permis de nous attendre et quelques minutes dans l'intervention d'Amsa. Bonjour, nous fait payer invivable, c'est ça qui fait. Tout jeune garçon, toute jeune femme, par contre qui ça pour y faire, y obligé pour un bois Saint-Domingue. Y a pays nous t'occupé, nous t'écoumé, nous paye l'indépendance. Nous ces premiers peuples nous a libéré. Journée jodia, garde misère en nous, garde souffrance en nous, garde trahison en nous, garde calamité nous, garde souffrance nous, garde humiliation nous. Aux yeux le monde, nous ces premiers peuples nous a libéré. Côté nous. Côté nous, enlève campé nous, politiciens traditionnels, comment nous sentons-nous? Les fouets nous humilier comme ça, les soeurs nous humilier, dans moi c'est nommé des salines, côtoyer des salines. Moi dis nous merci. Comment les politiciens yo penser avec question ça? Côté en pile mon api milé dans Saint-Domingue y a tué yo et yo même fait sexe avec Yolandeer garçon comment ouais et autorité nous yo embrasser question ça monde qui t'a goumé qui t'a fait nous croire dans yo parce que yo t'ai besoin gâteau pa yo connait tout monde gen drapeau tout monde gen gâteau dans bouche yo tout monde a bre song teng tout même j'ai encore dit président bre song teng y oublié peuple là y oublié petit peuple des bois pendre des bois balancé a côté l'école ouvri tout peuple toute malheureuse femme dans abri toute bagaille boulé tout la gen dans la rue des bois pendre y la gen dans la rue sans espoir m'a voir message à Gary Koni m'a voir message à Tipres Raoul et chinois Gary Koni, pas vin chanter. C'est pas chanter nous besoin. Nous besoin pour pays à recamper,
pour payer reprendre femme figile pour payer pour escape figile politicien traditionnel yo on pas suspendre nous merci on pas suspendre nous merci nous tient président pays même j'ai nous t'ai assassiné Jean-Jacques Dessalines. Nous t'ai assassiné Jean-Jacques Dessalines. Nous tient président pays qui c'est Jovenel Moïse qui t'a pourri genou qui t'a dit nous manger dans assiette l'argent en poche l'argent dans assiette manger l'argent en poche manger dans assiette nous assassiner nous torturer nous maturiser nous connaît ça qui passé nous connaît ça qui passé c'est parce que nous ouais peuple a dormi oui peuple a dormi oui journée aujourd'hui ça on a pendant ces dormir si nous t'ai gagne mon avec nous tout bon nous pas ta prendre non depuis on t'a fini c'est président Jovenel Moïse nous t'ai ouais ça t'a passé comme ça oui nous t'ai ouais pita une pétrisse oui nous t'ai rapide ta fin pétrisse oui yo seul bagaille messieurs si messieurs que ça mio gardez nous vire regarder font vol de face vinn jeune peuple là vinn jeune peuple là pour nous dire à bas américain là aussi là aussi.